Un deux. Oui, très bien même. Parfait. Juste baisser le gain un peu. OK, parfait. Je pense que le son il est bon. Oui. Parfait, c'est bon. Thank you.
Alors bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à la web diffusion de ce match de la Ligue de hockey collégiale masculin Division 1 opposant les Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui rendent visite ce soir au boomerang du cégep André-Laurendeau. Ici Tristan Mac pour la description du match en compagnie d'Alexandre Dubois à l'analyse ce soir. Bonsoir Alex. Bonsoir Tristan, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bien heureux de pouvoir te recevoir ici du côté du centre Gadebois pour cet affrontement. Et je pense qu'on aura droit à un duel intéressant aujourd'hui entre les Gaillards et le Boomerang. Exactement. Je te dirais qu'on pourrait voir du côté du Boomerang une offensive un peu plus équilibrée et défensivement du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. On nous l'a dit, va falloir faire attention aux erreurs. Exactement, c'est ce que nous a mentionné Maxime Boisclair, notamment en entrevue d'avant-match, entrevue qu'on vous présentera d'ailleurs lors du premier entracte. Et au deuxième entracte, eh bien, je vous présenterai une entrevue que j'ai réalisée avec Alexandre Dandeneau, l'entraîneur-chef du Boomerang. Maintenant, du côté d'André-Laurendeau, il y aura plusieurs joueurs à surveiller sur la patinoire, notamment Simon Laramie qui connaît un excellent début de saison, Alexandre. 8 points, 4 buts, 4 passes en 7 rencontres, c'est excellent. Et son acolyte, Alexis Giguère, deux joueurs à surveiller. Ce sera les maîtres de cette offensive-là du Boomerang. Absolument. Puis dans le cas d'Alexis Giguère, c'est un vétéran de troisième année. Il a 19 ans. Il est déjà commis du côté de l'université Clarkson. Il l'avait signé avec cette université-là à l'âge de 16 ans. Donc, il va se rejoindre aux Golden Knights de Vegas à la fin de cette présente campagne. Mais dans le cas de Simon Laramie, ce qui est intéressant, lui aussi, il n'a que 18 ans. Et il produit... Et il a un bon rôle avec André-Laurendeau. Et ce qui est intéressant du Boomerang, bon, tu vas me dire que c'est peut-être le cas des différentes équipes. On ne le sait pas encore. On n'a pas tout vu depuis le début de l'année. Là, ça fait seulement 8 matchs. Mais Alexandre Dandeneau veut rouler son banc. C'est la même chose pour bien des équipes. Mais du côté d'André-Laurendeau, Alexandre Dandeneau, ce qu'il veut, c'est le développement des joueurs lors de la première portion du calendrier. Et à partir du mois de janvier, c'est là que les résultats vont compter. Au niveau collégial, c'est ce qui est important. Comme tu l'as dit, en début de saison, on va beaucoup valoriser le développement. Et une preuve qu'on a une attaque équilibrée, c'est que lorsqu'on regarde la feuille de pointage, la feuille des statistiques, on va voir qu'il y a plusieurs joueurs avec ou au niveau des points, c'est assez équilibré. Donc, 4, 5, 6. Exactement. Et fait intéressant du côté d'André-Laurendeau, un seul joueur qui n'a pas récolté de points depuis la présente campagne, et c'est le défenseur Xavier Trudeau. Du côté des Gaillards, maintenant, il y aura des joueurs à surveiller, bien entendu. Et il y en a un là qui connaît un excellent début de saison. Et il en est à sa première année, en plus de ça, au niveau collégial. C'est Frédéric Maltais, l'ancien joueur des Vikings de Saint-Eustache dans le M18-3. Mais lorsque tu te retrouves à un niveau comme le midget, c'est pas surprenant où on s'attend de toi de performer au niveau collégial. Comme tu l'as dit, 5 buts, 6 passes, 11 points en seulement 6 rencontres. C'est assez exceptionnel. Oui. Et c'est lui qu'il faudra surveiller. C'est le nom qu'on a mis, à mon avis, du côté de la troupe d'Andenot. De Maxime Boisclair, du côté de la BTB. Oui, mais c'est le nom, c'est le joueur qu'on a mis au tableau à surveiller. Absolument. Au niveau de la défensive du Boomerang. Exactement. Puis il y a également Félix-Antoine Gould qui connaît un bon début de saison, lui aussi. Un ancien produit des Vikings de Saint-Eustache également, avec 7 points en 6 matchs. Et ce qui est intéressant du côté des Gaillards, et Maxime Boisclair m'en avait parlé justement avant le match d'aujourd'hui, eh bien, il a une douzaine de joueurs qui proviennent de l'île de Montréal. Et on en parlait justement en dehors des ondes avant de venir ici. Ce qui est intéressant, oui, le programme d'hockey, oui, Maxime Boisclair, c'est un excellent entraîneur-chef, c'est un entraîneur pour qui les joueurs veulent jouer. Mais ce qui est intéressant au niveau collégial, c'est la variété des programmes. Oui. Et certains collèges offrent certains programmes que d'autres collèges ne vont pas nécessairement offrir. Et c'est notamment le cas des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont un programme de technique policière. Ce qui fait en sorte que ça peut servir d'un outil de recrutement pour bien des joueurs de hockey. Ben c'est exactement. Et comme tu l'as dit, lorsqu'on veut s'expatrier au niveau des études pour
en Abitibi-Témiscamingue, ben c'est des trucs qu'on va regarder. Et surtout, lorsqu'on vient jouer ce soir à Montréal, ben pour ces joueurs-là qui sont à l'extérieur, qui sont loin de chez eux, c'est une motivation de plus pour performer. Absolument, puis on le voit d'ailleurs, les gradins sont pleins ici au Centre Gadebois aujourd'hui, notamment parce que les joueurs, bon, du côté de l'Abitibi, c'est à peu près un bon 6-7 heures de route. Oui. C'est, bon, les familles des joueurs qui viennent voir leurs garçons et tout ça, le neveu ou le cousin, peu importe, le frère. Et c'est ça qui est intéressant des matchs avec les Gaillards. Il y a des joueurs qui proviennent de Montréal et qui jouent en Abitibi. Et c'est toujours intéressant de voir quel type de bassin de joueurs que l'entraîneur va recruter, justement. Et j'en parlais avec Maxime Boisclair et tu étais avec moi notamment pour cette entrevue-là. Maxime me racontait et nous racontait qu'il avait une équipe qui lui ressemble un peu plus. Oui. Une équipe qui vraiment là est à son image parce qu'il est maintenant rendu à sa troisième année en titre d'entraîneur-chef. Oui. Et ça, il nous parlait des caractéristiques de son équipe, entre autres, ça se résume à un fait que certains cégeps offrent des sujets d'études. Oui, des programmes. Des programmes d'études, et d'autres non. Donc, en technique policière, en Abitibi-Témiscamingue, on s'attend d'avoir des joueurs un peu plus gros, un peu plus costauds, oui, avec un peu plus de grit. Et ça, c'est un mot qui s'est... un aspect du jeu qu'il avait mentionné. Absolument. Et donc, les joueurs des Gaillards là, qui sortent du tunnel justement pour embarquer sur la patinoire. Et dans quelques instants, eh bien, il y aura les joueurs du Boomerang qui vont sortir là, du tunnel. Et donc, voilà, début du match. Alors, voilà les cérémonies d'avant-match qui vont commencer dans quelques instants. Et l'hymne national, évidemment, et tout le protocole d'avant-match. Donc, on va se retrouver dans quelques instants pour le début de cette rencontre entre les Gaillards, cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, et le Boomerang du cégep André-Laurendeau, ici même en direct du Centre récréatif Gadebois. Pour les Gaillards, c'est le RSEQ qui s'amène au gardien de but.
Alors, tout est en place pour ce duel Gaillard-Beaubain. Alors, Alexandre Dubois, peux-tu nous présenter les deux gardiens de but partant pour le match d'aujourd'hui? Donc, du côté de l'Abitibi-Témiscamingue des Gaillards, on a Thomas Fontaine avec un pourcentage d'arrêt, oui, de 864. Et du côté du boomerang d'André-Laurendeau, on a, donc, c'est Émile Lessard. Donc, Émile Lessard, qui a un pourcentage d'arrêt de 906 et qui est au niveau du pourcentage d'arrêt, oui, au numéro 5 dans toute la ligue. Ce qui est assez impressionnant, merci. Alors, au départ, pour le boomerang, eh bien, c'est Simon Laramie qui est au centre et du côté des Gaillards, c'est Godin, c'est parti. Bon match, mesdames et messieurs. Alors que c'est Haché qui renvoie pour Gay. Gay qui a le 10, renvoie d'avant vers Huot. Finalement, c'est poussé d'avant par Baudouin. Bataille pour la rondelle, c'est gagné par Poulin. Poulin qui va s'amener à l'attaque, tente une passe du revers. Finalement, ça a été immobilisé par le gardien de but, Lassard, et ça n'ira pas plus loin. Donc, déjà une entrée de territoire pour les Gaillards de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ce qui est intéressant du côté d'André Laurendeau, et on ne l'avait pas mentionné dans notre préambule, eh bien, les deux gardiens de but du boomerang, Antoine Dubourg-Vandal oui. et Émile Lessard, ont chacun un pourcentage d'arrêt d'au-delà de 905. Donc, ils figurent là dans le top 5 de la Ligue au niveau de cette catégorie. Donc, c'est assez impressionnant. Alors que le jeu reprend dégagement à l'autre bout, ça va être récupéré là par Poulin qui est mis en échec. Finalement, il renvoie vers Baudouin qui tente un tir, ça a été bloqué. C'est récupéré là par Legault qui va pousser de l'autre côté. Ça revient vers Poulin. Poulin tente de rejoindre un coéquipier devant le filet, ça ne fonctionne pas. Et ça va être Thomasin qui va lobber le disque en territoire central. Ça revient vers Poulin qui pousse devant lui. Bataille pour la rondelle devant le banc des Gaillards. Finalement, ça a été dégagé par Godin. Et on va appliquer des changements du côté du banc de Maxime Boisclair. Alors que la première minute de jeu a déjà été écoulée. C'est justement Bachand, qui tentait une sortie. Ça n'a pas fonctionné. Finalement, la rondelle qui a ralenti. Je pensais que c'était pour être un dégagement refusé, mais la rondelle a ralenti, donc le jeu a pu se continuer. Et ça va être la sortie de territoire là, des Gaillards avec Mathieu. Mathieu tente un tir, ça a été bloqué. Et là, ça va être récupéré par Arsenault qui va s'amener à l'attaque. Arsenault va s'amener de l'autre côté. Arsenault tente un tir, ça a été bloqué. Le retour devant qui est finalement récupéré par les Gaillards. Et ça va être Gervais qui va s'amener à l'attaque. Là. Gervais tente une passe du revers, ça a été intercepté par Antoine Lucier. Récupéré par Gervais qui tente un tir, ça touche l'extérieur du filet. Et ça revient vers Sainte-Marie. Beau jeu du défenseur pour couper la trajectoire de la passe sur cette dernière séquence, Tristan. Absolument, puis Gervais qui a eu une bonne contre-attaque sur cette séquence également là. Alors que le boomerang a dégagé la rondelle à l'autre bout et on applique des changements là, du côté du banc d'Alexandre Dandenault. C'est récupéré là, en territoire central par Prévost qui va dégager de l'autre côté. Et c'est récupéré là, par le numéro 27, la Boudreau, qui a poussé devant. Ça a été récupéré par le boomerang toutefois. Intercepté là, par les Gaillards qui tardent à sortir de leur territoire. Gould qui a le disque, il est mis en échec. Bataille pour la rondelle. Le boomerang qui reprend le disque avec Senneville. Senneville tente un tir de loin. Ça rate le filet, ça revient là vers Prévost. Prévost tente un tir. Bas, ça a été stoppé. Le retour d'avant qui est récupéré par les Gaillards. Et ça va être une sortie de territoire d'Émile Saint-Pierre. Saint-Pierre qui va pousser la rondelle devant lui, c'est récupéré par Lessard qui renvoie pour Senneville. Senneville tente de rejoindre un coéquipier bien bloqué par Saint-Onge. Rondelle qui se retrouve à la ligne bleue vers Barabé. Et finalement, c'est Gould là qui tente de récupérer le 10. Barabé est bien surveillé, renvoie à son défenseur Saint-Onge qui renvoie l'appareil à Barabé qui tente un tir frappé. Ça rate le filet et la rondelle va se rediriger vers Vachon. Finalement, les Gaillards ont touché au disque pour la dégager et c'est récupéré là par Prévost. Et le boomerang là qui va s'installer pour une sortie de territoire hasardeuse. Côté de Gay, c'est récupéré par les Gaillards. Une feinte! Non! Finalement, les défenseurs du boomerang se sont repris, mais une mauvaise sortie de Raphaël Gay. Un tir qui rate la cible du côté des Gaillards. Rondelle qui aboutit vers Mathis Huot le long de la bande. Laramé qui est là. Finalement, c'est récupéré par Saint-Onge qui pousse devant. Barabé qui renvoie à la ligne de Ringuette. C'est récupéré là par le boomerang derrière le filet avec Prévost.
Prévost qui va laisser la rondelle en territoire central et c'est récupéré par Saint-Onge qui pousse devant vers Godin. C'est récupéré par le boomerang toutefois là avec le numéro 5, Lavallée Gravel, qui tente de rejoindre un coéquipier. Rondelle qui se retrouve le long de la clôture sur la palette de Laramie qui renvoie la ligne bleue vers Gay qui rejoint son coéquipier Haché qui renvoie le disque vers Laramie pour Haché maintenant. Haché qui perd le disque et là c'est récupéré par Legault. Legault au cercle, renvoie la ligne bleue vers Mathieu. Mathieu tente un tir bas, ça a été stoppé. Un retour devant qui est récupéré par Poulin qui tente un tir. Ça a été stoppé par la mêlée. Et finalement, Émile Lessard va plonger sur le disque et il va immobiliser la rondelle. Et ça n'ira pas plus loin, Alexandre. Avec 15 minutes 49 à jouer à la première période. Et tout ça a été a commencé en raison justement d'une mauvaise sortie de territoire de Raphaël Gay. Là. Exactement, et il faut apprécier le travail de l'échec avant. Du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, on parlait de grit. On voit la puissance physique de ces joueurs-là. Absolument. Puis on a vu le travail, surtout en fond de territoire. Là, le boomerang qui n'a pas été en mesure de sortir la rondelle de sa zone. Là. Donc voilà. Alors que c'est Plante qui s'amène à l'attaque. Plante va s'amener. Tente de rejoindre Giguère qui tente un tir. Ça rate le filet. Ça revient le long de la clôture. Et finalement, c'est Giguère qui renvoie la rondelle vers son coéquipier Sainte-Marie pour Thomasin. Thomasin va s'amener à l'attaque. La passe vers Giguère. Giguère applique les freins. S'amène dans le coin. Giguère renvoie le 10 vers Sainte-Marie. Rondelle qui sort, mais Sainte-Marie qui va se replier à sa ligne rouge et qui renvoie là vers Plante pour Giguère qui va s'amener à l'attaque. Giguère s'amène derrière le filet. Tente de contourner le filet. Finalement, c'est récupéré par Legault qui renvoie vers Gervais. Rondelle qui va aboutir en territoire central. Ça va être le dégagement de Poulin à l'autre bout. Et Maxime Poisclair qui va ramener ses joueurs au banc pour des unités qui auront des jambes fraîches. Voilà. Alors que c'est le dégagement de Prévost à l'autre côté. C'est récupéré par Fontaine qui laisse pour son coéquipier, le numéro 16, là, Maltais. Et c'est la bataille, là, l'autre, la clôture, gagnée par les Gaillards. Dubé qui tente de sortir, ça ne fonctionne pas. Et c'est récupéré par Antoine Lucier, qui laisse pour Prévost à Lucier. Lucier rejoint Arsenault. Arsenault qui va s'amener à l'attaque. Non, perd le disque et c'est récupéré là par Gould, qui va dégager la rondelle dans le territoire lassalois. Et c'est récupéré là par Trudeau, qui laisse pour son coéquipier, finalement, Trudeau récupère la rondelle, renvoie en territoire central, et la rondelle qui va aboutir à l'autre bout, Ferland qui va tenter de gagner la rondelle, oui, c'est fait, Ferland tente un tir, rate le filet, et rondelle qui va aboutir à la ligne bleue, et on pousse là du côté de Senneville, ça va être récupéré par Lucier. Lucier qui tente de rejoindre un coéquipier derrière, voilà, c'est fait, le tir de Gay qui est redirigé à l'extérieur, et c'est récupéré par Maltais, rondelle qui est intercepté par Haché qui va renvoyer devant lui, et c'est récupéré là par Boudreau qui renvoie devant. Et les Gaillards qui vont pouvoir respirer là avec ce dégagement qui est récupéré toutefois par Raphaël Gay. Là, des changements qui tardent du côté de la BTB. Gay qui tente de rejoindre un coéquipier, personne n'y était. Et ça va être la sortie cette fois-ci des Gaillards bloqués à la ligne rouge. Alors vraiment, les deux équipes là qui limitent l'espace en territoire central, Alex. Bien, surtout du côté de la BTB-Témiscamingue, Maxime Boisclair nous en a parlé. Il va falloir, à mon avis, être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dynamique pour trouver cet espace-là qu'on a besoin pour créer des jeux du côté du boomerang. Oui, absolument. Puis on a vu les deux équipes, là. Oui. À un moment donné, il y a eu une séquence un peu à l'attaque du côté d'André-Laurendeau. Finalement, ça s'est transporté de l'autre côté. Et les deux équipes qui font du bon travail défensivement. Défensivement, là, c'est impeccable jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de grande chance de marquer là, des tirs qui n'ont pas été cadrés, bref. Alors que c'est récupéré par Laramie qui va laisser la rondelle derrière lui pour Bachand. Bachand tente de rejoindre son coéquipier Lavallée Gravel. Finalement, c'est poussé par Trottier qui rejoint son coéquipier. Là, c'est le numéro 24, Saint-Amand. Et c'est la bataille pour la rondelle. Et c'est dégagé là par Julien Prévost à l'autre bout. Est-ce que ça sera refusé? Non, la rondelle a ralenti. Et là, c'est les Gaillards qui ont la rondelle là, avec Tardif qui va s'amener. Renvoie devant vers Gervais qui va s'amener. Bien coupé par Bachand qui renvoie la rondelle en territoire central. Et les Gaillards doivent recommencer avec Saint-Pierre qui va lober la rondelle en fond de territoire. C'est récupéré par Bachand qui rapidement rejoint Lavallée Gravel. Lavallée Gravel a le 10. Bataille pour la rondelle avec Gervais qui est là notamment. Ça a été poussé par les Gaillards derrière le filet. Et Gervais qui tentait une attaque, ça n'a pas fonctionné. Avec Émile Lessard là, qui a
mis la mitaine sur la rondelle et ça n'ira pas plus loin. J'ai remarqué plusieurs séquences au cours de ces huit premières minutes-là, Tristan, où du côté du boomerang, on essayait de la grosse mise en échec qui s'en vint. Et j'ai pas l'impression que c'est le jeu du boomerang. J'ai l'impression qu'on doit être beaucoup plus dynamique. Et c'est au niveau physique, on l'a mentionné, c'est l'Abitibi-Témiscamingue qui va jouer ce style de jeu-là. Absolument, alors que la rondelle se retrouve derrière le filet, là, notamment avec Saint-Amand qui est là. Finalement, c'est récupéré par Mathieu à la ligne bleue qui tente un tir. Ça a été redirigé devant le filet, mais ça n'a pas fonctionné. Rondelle qui a raté la cible et c'est récupéré par Giguère pour Prévost qui va pousser devant. C'est récupéré par Giguère maintenant. Giguère qui va s'amener à l'attaque, qui va d'une feinte. Giguère tente de rejoindre un coéquipier devant. La rondelle qui rate le filet et c'est récupéré là, par Mathieu qui renvoie devant. Mise en échec sur Magny. Là, il y aura une pénalité. Pour le boomerang, Gould qui tente un tir, ça a été redirigé à l'extérieur. Et Magny, là, qui semble être mal en point. Et Giguère qui est chassé pour assaut. Et ça, c'est un gros morceau qu'on perd au moment des punitions. Un des meilleurs joueurs d'attaque du boomerang. Comme je t'ai dit, Tristan, on l'a vu, Giguère. D'ici, on l'a vu clairement. Il y allait pour faire mal. Moi, je préfère voir ce style de joueur-là se concentrer sur ce qu'ils font bien, être bon offensivement. Exactement. Puis sur cette mise en échec-là, le jeu s'est passé tellement rapidement, Alexandre. Oui. Là, c'est plus facile à dire qu'à faire là, en disant que ça aurait pu être évité, mais quand même. Rondelle qui se retrouve dans l'enclave, récupérée par Sainte-Marie qui renvoie la ligne bleue. C'est récupéré par Trottier qui renvoie devant vers le goal, qui tente un tir, ça a été stoppé. Et c'est récupéré là par le numéro 4, Mathieu. Mathieu qui renvoie la ligne bleue, c'est récupéré par Legault qui rejoint Mathieu dans l'enclave. Finalement, il redirige le disque vers Poulin qui est mis en échec par Sainte-Marie. Bataille pour la rondelle gagnée par Saint-Pierre qui renvoie vers Mathieu à la ligne de Reagan maintenant. Legault qui tente un tir, ça a été stoppé. Et sur le retour, aussitôt Julien Arsenault qui va récupérer la rondelle pour la dégager à l'autre bout. Et les 40 premières secondes de l'avantage numérique des Gaillards ont été écoulées. Alors qu'il reste maintenant 10-50 à jouer au premier engagement. Rondelle qui est récupérée par Maltais qui s'amène à l'attaque. Maltais au cercle maintenant. Renvoie à la ligne bleue pour Tremblay. Tremblay à Maltais. Maltais avec Tremblay. On s'échange la rondelle du côté des Gaillards. Un tir qui a été bloqué par Antoine Lucier. Rondelle qui sort. Bon travail défensif de Lucier. Et c'est récupéré là, par Tremblay dans son propre territoire. Alors qu'il reste maintenant une cinquantaine de secondes à la pénalité d'Alexis Giguère. 10-27 à jouer en première période. Maltais qui rejoint son coéquipier. Et on s'amène à l'attaque là, du côté des Gaillards. Gervais qui a la rondelle derrière le filet. Finalement, c'est la bataille pour le disque. Trudeau qui est là, remporte le disque, l'envoie dans le coin. Finalement, on pousse du côté des Gaillards et la rondelle qui va sortir du territoire Lassalois alors qu'il va rester 25 secondes la pénalité de Giguère. Il faut apprécier le travail de la boîte défensive du boomerang. Oui, absolument. La défensive du boomerang qui n'a absolument rien donné là au cours de l'avantage numérique de la BTB. Donc, du bon travail. Il reste 18 secondes tout de même. Oui. Il faudra trouver le moyen de remporter la rondelle du côté d'André-Laurendeau et de la dégager à l'autre bout. Tandis que du côté des Gaillards, ça sera d'essayer de trouver du rythme offensif. Là. Ben, ce que tu dis, c'est exactement ce que le cégep André-Laurendeau a fait. Oui. Sur la séquence du dégagement. Exactement, c'était Mirko Sainte-Marie qui a dégagé la rondelle à l'autre bout, là. Et là, c'est les Gaillards là, qui vont s'amener à l'attaque. Un dégagement de Beaudoin, c'est récupéré par Lessard. Égalité numérique maintenant, Lessard renvoie la rondelle à la ligne bleue. C'est récupéré par Beaudoin qui rejoint son coéquipier Magny. Magny, qui a le disque bousculé, renvoie la rondelle à la ligne bleue. C'est récupéré par Beaudoin à l'extérieur du territoire offensif. Beaudoin qui a le disque, va dégager. Et c'est récupéré là par Sainte-Marie. Sainte-Marie qui a la rondelle maintenant. Tente de rejoindre. Oh, une passe suicide. Le tir de Gould qui a été stoppé. Quel jeu dangereux de Mirko Sainte-Marie sur cette séquence. Heureusement que Émile Lessard était alerte pour le cégep André-Laurendeau. Alors que le boomerang va contre-attaquer là avec la vallée Gravel. Et hors-jeu malheureusement pour le numéro 5 du boomerang qui tentait d'entrer dans le territoire adverse et ça n'a pas fonctionné. Et tu l'as dit, quelle passe dangereuse. Je suis pas sûr que c'est ce que leur entraîneur leur a demandé de faire. Mais je peux te le confirmer. Surtout, ça revient à une chose, le hockey c'est un sport physique. Lorsque tu perds, si tu
tires de l'arrière contre une équipe assez physique, tu vas devoir doublement payer le prix. C'est pas ce genre de jeu-là qu'on veut voir. Absolument, alors que c'est le dégagement de Poulin, ça va être récupéré par Prévost. Prévost qui a le disque, Prévost renvoie vers son coéquipier là, Haché. Et là, le boomerang qui tente de sortir. Voilà, c'est fait avec Senneville qui va s'amener. Senneville laisse la rondelle derrière lui vers Laramé. Laramé tente de pousser devant. Laramé a le 10 dans le coin. Renvoie la ligne bleue cette fois-ci pour Trudeau qui tente un tir. Ça a été bloqué devant. Et finalement, les Gaillards qui ont pu sortir de leur territoire. Et les Gaillards réclamaient une pénalité pour obstruction sur le gardien. Mais les arbitres n'ont pas appelé une pénalité. Alors que la rondelle rebondit vers Senneville, qui va renvoyer en territoire central, intercepté par Poulin, qui va s'amener à l'attaque. Il est bien bloqué par Prévost, mais c'est récupéré toutefois par Godin. Godin qui va renvoyer la rondelle en fond de territoire, et c'est récupéré là par le boomerang, et c'est Mathis Huot qui aura la rondelle, et qui laisse pour Trudeau. Trudeau tente de rejoindre un coéquipier, voilà, c'est fait, il a lobé pour Laramé, qui renvoie le disque vers Prévost. Prévost pour Senneville, qui va dégager. Et on applique des changements là du côté du banc d'Alexandre Dandenault avec 7 minutes 40 à jouer. Et là, c'est l'entrée de Giguère. Giguère, il va d'une feinte, une autre de tir. Et quel arrêt! Oui, oui. Wow! Écoute, le gardien de but de l'Abitibi n'a rien donné. Thomas Fontaine n'a rien donné, pas d'espace. Avait très bien bloqué, avait très bien vu le jeu se dessiner. Et moi, une chose que je vais mentionner, c'est que même si au niveau physique, Tristan, l'Abitibi-Témiscamingue, les Gaillards sont supérieurs au boomerang, ont réussi à placer un joueur devant le gardien de but. Oui. Ça, c'est un point positif. Absolument. Rondelle qui se retrouve là le long de la bande. Bataille qui a été remportée par les Gaillards qui ont dégagé en territoire central. C'est récupéré par Haché. Haché qui va lobber la rondelle à l'autre bout. Oh, ça a passé proche du filet, mais ce fut raté. Et rondelle qui se retrouve là dans le coin. C'est Gervais qui a renvoyé à la ligne de ringuette, récupéré par Haché. Finalement, les Gaillards ont pu récupérer. Et jeu qui a été stoppé par le boomerang. Thomasin qui tente de rejoindre un coéquipier. C'est dévié sur un patin. Et ça va être la contre-attaque là, de Félix-Antoine Dubé qui va s'amener. Félix-Antoine Dubé qui s'amène. Tente une passe du revers. Finalement, c'est récupéré à l'autre bout, à la ligne de ringuette par Maltais. Et c'est Gervais là qui a été mis en échec. Thomasin tente de bouger la rondelle qui semble être emprisonnée. Là, il y a deux joueurs des Gaillards, deux joueurs du boomerang. Finalement, ça a été récupéré par le cégep André-Laurendeau. Et c'est Émile Plante qui va hériter de cette rondelle. Plante va s'amener à l'autre bout avec Giguère. Giguère qui est au cercle, tente de contourner, laisse pour Plante. Plante rejoint Arsenault. Arsenault qui malheureusement a vu sa passe être déviée dans les patins de Gould, mais Arsenault tente de récupérer. Finalement, Gould va gagner la rondelle et il la posera derrière Sainte-Marie. Et c'est récupéré là, par les Gaillards en fond de territoire. Et le boomerang qui remporte sa bataille pour la rondelle, et c'est la sortie de Bachand. Bachand qui laisse pour Arsenault. Une longue passe, la fin de Lucien. Oh. Quel arrêt du gardien but, Thomas Fontaine. Il a volé un but au boomerang sur cette séquence. Coup sur coup, deux arrêts incroyables. Et là-dessus, ça y était presque. On a vu. Moi, oh que oui! Moi, j'allais dire un coup de patin de plus. Et à mon avis, elle était dedans. Mais c'est toujours 0-0. Donc, faut saluer le gardien. Le travail du gardien Thomas Fontaine. Absolument, il a bloqué deux bonnes rondelles, notamment d'Alexis Giguère un peu plus tôt, et cette fois-ci là, c'était Antoine Lucier. Et fait intéressant d'Antoine Lucier, il fait partie de l'équipe de Division 2 du boomerang, donc c'est intéressant de voir qu'il y a certains joueurs du Division 2 qui sont en mesure de pouvoir jouer dans le Division 1, notamment. D'autant plus que du côté d'André Laurendeau, c'est une équipe qui vient centre, remplie de joueurs de 18-19 ans. Donc, c'est sûr que le boomerang voudra regarder et piger dans son organisation pour la prochaine saison 22-23. Pardon. Ben on peut voir ça de façon optimiste, d'avoir un jeune qui performe. Qui est capable de voyez qui a renvoyé la rondelle d'avant. Sainte-Marie, excuse-moi Alex. Sainte-Marie qui a tenté un tir, ça fut raté. Et le dégagement des Gaillards qui a été bloqué là, par Voyer qui s'amène à l'attaque, laisse derrière lui pour Senneville. Senneville qui va pousser devant, c'est récupéré par Voyer. Voyer maintenant qui s'amène. Voyer
rejoint son coéquipier, là, Bachand. Bachand tente de rejoindre Vachon. Finalement, rondelle qui est redirigée derrière le filet, récupérée par Baudouin, qui renvoie vers son coéquipier. Bachand qui intercepte la rondelle et qui va l'envoyer à l'autre bout. Et c'est récupéré par Senneville, qui tente de rejoindre le coéquipier. Finalement, c'est intercepté par Magny, qui va dégager à l'autre bout. Alors qu'il va rester maintenant 5 minutes 10 à jouer à la première période. Senneville qui dégage de l'autre côté. C'est récupéré par Tardif. Tardif qui laisse devant, c'est bloqué là, par Trudeau. Et Senneville qui rentre au banc. Là, donc, on voit un nouveau trio sur la patinoire là, avec Laramé, Huot et le numéro 5, Lavallée Gravel, du côté d'André-Laurendeau. Prévost qui renvoie la rondelle le long de la bande pour Laramé. Finalement, c'est récupéré par Lavallée Gravel qui tente de rejoindre Huot. Il a été bloqué à la ligne bleue. Et c'est récupéré là, par les Gaillards avec Tardif qui va renvoyer vers Saint-Pierre pour son coéquipier Gaudin qui rejoint Saint-Pierre. Saint-Pierre attire un couvreur vers lui, tente un tir du revers, ça rate le filet. Et c'est récupéré par Prévost qui va renvoyer de l'autre côté en direction de Lavallée Gravel qui ne gagne pas la rondelle. C'est Saint-Pierre qui a le 10. Tente de rejoindre le coéquipier devant et quel arrêt des une naissance sur cette séquence qui a plongé sur le disque. Alors là, les deux gardiens qui s'illustrent en première période. Et c'est récupéré par Huot qui va s'amener en contre-attaque. Huot qui est bloqué. Finalement, c'est récupéré par Laramé qui applique les freins, qui attire Poulain vers lui. Laramé tente de rejoindre un coéquipier. Contourne le filet. Rejoint un coéquipier devant. Personne n'y était. Finalement, c'est récupéré par Gould qui va renvoyer vers Poulain qui va contre-attaquer et il va dégager la rondelle à l'autre bout. C'est récupéré par Legault. Et le boomerang qui a soutiré le disque à Legault pour la dégager en territoire central. Et c'est le dégagement cette fois-ci de Mathieu qui a été bloqué là devant le banc du boomerang. Alors qu'il reste maintenant 3 minutes 25, oui, à jouer à la première période. Oh, et là, les Gaillards qui interceptent. Un tir qui a été bloqué par Lessard. Un retour devant. Et finalement, Lessard qui va immobiliser le disque. Un mauvais retour sur cette séquence, mais il a réparé sa propre erreur. J'aurais dit un mauvais jeu défensif, mais on doit apprécier le travail du gardien Lessard, comme tu l'as dit. Si c'est encore 0-0, c'est entièrement grâce au travail du gardien de but. Et j'aimerais dire qu'on pourrait penser la même chose du côté de Fontaine, qui a bloqué deux bonnes rondelles, notamment un peu plus tôt, là. Alors que Lessard vient d'effectuer un autre arrêt, finalement, c'est récupéré par Thomasin pour Giguère, qui tente de battre le joueur de défense. Ça ne fonctionne pas. Rondelle qui a été lobée dans les hauteurs de l'amphithéâtre Silvio Manta. Et ça n'ira pas plus loin avec 3 minutes 4 secondes à jouer en première période. Et je vous rappelle qu'au premier entracte, on va vous présenter une entrevue que j'ai réalisée avec Maxime Boisclair avant le match. Mais également, on aura la visite de Simon Ménard, qui est un joueur de golf du programme d'André-Laurendeau. Un programme qui excelle au niveau du golf, André-Laurendeau. Un autre championnat provincial qui a été remporté la fin de semaine passée. Et les hommes de Benoît Lemieux qui vont quitter le Québec pour s'en aller à Windsor demain pour le championnat canadien. Là, donc, on va en parler dans quelques minutes. Le jeu qui se déroule maintenant en territoire central, c'est Dubé qui a le 10, laisse pour Gervais. Gervais tente de rejoindre un coéquipier d'avant. Finalement, c'est récupéré là, par les Gaillards. Une passe qui est bloquée par Raphaël Gay. Le boomerang qui va tenter de sortir. Voilà, c'est fait. Et là, c'est Giguère qui va s'amener. 2-0. La passe à Thomasin. Et ça a été stoppé par le gardien de but, Fontaine, qui ne donne absolument rien. Wow! Oui, là-dessus, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'on a tardé et on a jonglé au niveau de la réception de la passe, ce qui a causé un arrêt, à mon avis, un peu plus facile. Oui. Mais si cette passe-là était un petit peu plus précise, ça l'aurait pu être. Et il faut saluer le travail de Philippe Thomasin sur cette sortie de territoire qui a envoyé une belle rondelle pour Alexis Giguère. Le placement des attaquants du boomerang est impeccable jusqu'à présent. Arsenault là, qui est au cercle pour le boomerang. Voilà, c'est fait. Mise en jeu qui a été remportée. Ferland qui a redirigé derrière la rondelle derrière le filet. Et là, il y a eu un contact derrière le filet de Fontaine et le filet qui a quitté ses amarres. Et donc, ça n'ira pas plus loin. Avec 2 minutes 14 à jouer à la première période.
Mais Tristan, jusqu'à présent, c'est ce qu'on s'attendait comme partie. Une partie physique du côté de l'Abitibi-Témisc. Un match serré. Et du côté du Boomerang, une diversité offensive, même si on n'a pas concrétisé sur nos chances de marquer. Oui, alors que c'est récupéré là par Saint-Pierre qui renvoie devant lui. Ça a été intercepté par Lucier pour Bachand. Bachand rejoint Sainte-Marie. Sainte-Marie qui a le disque à la ligne bleue. Sainte-Marie rejoint Ferland. Ferland qui envoie vers Arsenault qui tente un tir et ça se retrouve directement dans la mitaine du gardien de but comme si la rondelle avait été, comme si une balle avait été captée dans le champ droit au baseball. J'allais dire comme si on lui avait envoyé un ballon de plage. On va se dire de quelque chose. Il l'a vu venir se lancer là. Ou comme une passe de Tom Brady pour Rob Gronkowski. Ouais, exactement. Ça, on s'en lassera jamais de ces jeux-là. Exactement. Alors que mise en jeu là qui sera jouée à la droite du gardien de but Fontaine, ça a été remporté par le Boomerang. Vachon qui tente un tir, ça a été stoppé encore une fois par le gardien de but Fontaine. Avec 1:51 jouée au premier engagement. Ce que j'en retire, depuis quelques minutes, j'ai l'impression que le Abitibi-Témiscamingue joue un peu moins physique. Le coup qu'on a vu plus tôt a changé, à mon avis, l'allure de cette période-là. Et c'est malheureux parce que on réussissait à anéantir toute forme d'attaque du Boomerang en début de période pour les Gaillards. Alors qu'Alexandre Barbeneau est en discussion avec l'arbitre. Mise en jeu qui sera jouée à la gauche du gardien de but Fontaine. Voilà, c'est fait. Il a envoyé un pouce à l'arbitre, donc je pense que tout a été compris. On peut y aller. Voyez qui est à la mise en jeu pour le Boomerang contre Gould. Ça a été remporté par Gould qui a renvoyé devant lui. Ça va être Poulin qui va poser la rondelle derrière les défenses du Boomerang. Récupéré par Prévost qui laisse derrière lui. Intercepté par Poulin qui laisse la rondelle dans le coin. Et finalement, là, c'est récupéré à la ligne bleue. Les Gaillards, un tir de loin qui a été stoppé par la défense du Boomerang et c'est la contre-attaque là, de Prévost pour Huat. Huat qui va s'amener à l'autre bout. Vachon qui tente un tir et ça a été stoppé par le gardien de but. La bousculade dans le coin. Et les deux joueurs, est-ce qu'il y aura un joueur chassé ou ça sera deux joueurs qui seront punis? Ça semble être Vachon qui sera chassé, là. Vachon et... Cool, si non, non, même pas de pénalité. Je pensais avoir vu l'arbitre faire dire aux joueurs, allez-vous-en au banc de pénalité, mais non, c'était au banc de l'équipe. On avait vu la même chose, Tristan. Oui. Rondelle qui se retrouve là le long de la baie vitrée. C'est un dégagement qui a été bloqué par Haché, qui va renvoyer de l'autre côté. Et c'est récupéré là, par Fontaine. Fontaine... qui laisse en territoire central récupéré par Huot. Alors qu'on vient d'annoncer la dernière minute de jeu là, de cette première période, Gervais qui a le disque, renvoie devant vers son coéquipier. Ça n'a pas fonctionné. C'est récupéré par Dubé qui tente de rejoindre un joueur devant. Finalement, c'est récupéré là, par le Boomerang. Bachand qui a été bousculé par Maltais. Finalement, c'est récupéré par Dubé qui va dégager derrière le filet de Lessard. Et bousculade dans le coin. Gervais qui tente un tir. C'est l'arrêt. Le retour devant le but! Maxime Gervais qui va marquer le premier but de ce match en fin de période. Et c'est 1-0 pour les Gaillards. Et toi et moi, on le sait, le public le sait aussi. Lorsqu'on marque un but tard comme ça en période, ça change souvent l'allure d'une rencontre. Et ça, la défensive a complètement laissé Gervais patiner librement comme il le voulait. On donne une note négative à la défensive du Boomerang sur le dernier jeu, malheureusement. Et les joueurs, et Gervais, et Lessard, pardon, qui pouvaient absolument rien faire sur cette séquence, malheureusement. Là. Il avait bloqué la première rondelle et par la suite, sur le retour, il n'a pas pu la stopper. Sa défensive l'a laissé à lui-même. Ça. Exactement. Rondelle qui se retrouve là sur la palette de Giguère. Giguère qui va s'amener à l'attaque, peut-être une dernière attaque avec Bachand. Ça ne fonctionne pas. Bachand va dégager à l'autre bout. C'est récupéré par Olivier Mathieu. Les dernières secondes de ce premier engagement vont s'égrener. Et c'est ce qui mettra un terme à la première période. Donc, après 20 minutes de jeu,
Eh bien, les Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue mènent 1-0 grâce à un but de Maxime Gervais notamment. Donc, tes impressions de cette première période, Alexandre? C'est triste parce que, à mon avis, on voyait comment diversifiée l'attaque du boomerang était et quel travail du gardien Thomas Fontaine. Il a volé cette période-là et les Gaillards qui ont été pas opportunistes en fin de période pour marquer ce but qui donne l'avance 1-0. Oui, absolument. Donc, tout a été dit pour ce premier engagement et donc on va se retrouver dans quelques minutes pour une entrevue avec Simon Ménard, membre de l'équipe de golf du Boomerang du cégep André-Laurendeau. Donc, on va se retrouver dans quelques instants avec Simon, notamment pour parler de l'équipe de golf du Boomerang. Donc, je vous reviens dans quelques instants. Alors, nous sommes de retour dans l'amphithéâtre ici pour cet entraque. Et donc, j'ai un invité avec moi, Simon Ménard de l'équipe de golf. Salut Simon! Ah, salut Thibac, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bien heureux de te recevoir pour l'entraque. D'abord, peux-tu nous parler un peu là, de votre saison de golf du côté d'André-Laurendeau qui s'est conclue en beauté la fin de semaine passée là, avec un superbe championnat provincial? Comme tu l'as expliqué, on ne peut pas demander mieux. Dans le fond, on a perdu le premier tournoi, mais après ça, ça a été des victoires éclatantes. Puis, on ne peut pas demander quelque chose de mieux. Et peux-tu nous parler de Félix Bouchard, justement, qui a signé une ronde extraordinaire à l'ancienne Lorette, 64, mesdames et messieurs, c'est-à-dire moins 8, absolument incroyable. C'est tout un joueur, c'est pas juste que c'est un bon joueur, c'est juste une personne qui travaille à chaque jour, vient au pratique, qui est dédoué, L'équipe nationale, ça a paru. Et peux-tu nous parler justement de ta saison à toi? Comment ça s'est passé individuellement pour toi, Simon? Ça a été très bien. C'est sûr que j'ai pas atteint mon objectif de finir top 2 RSEQ, mais troisième, c'est quand même je le prends. Ça a été une très bonne saison. Et là, ce qui s'en vient pour vous maintenant, vous allez quitter vers Windsor. Peux-tu nous parler de ce qui s'en vient? Dans le fond, on part demain matin. Deux rondes de pratique, dans le fond, demain, après-midi et lundi. Et le tournoi, le show commence mardi jusqu'au vendredi. Donc, c'est le championnat canadien de l'ACSC, et ce qui est tout à fait incroyable. Le Boomerang, 7 bannières en 10 ans, au niveau provincial et au niveau canadien, au niveau national. Eh bien, le Boomerang a remporté en 2018 et vous avez fini deuxième en 2019. Donc, c'est incroyable. Donc voilà Simon Ménard qui était avec nous pour le premier entraque. Donc bonne chance Simon, bon voyage du côté de Windsor et puis on va se souhaiter la meilleure des chances là, pour le cégep André-Laurendeau. Merci, salut. Donc voilà Simon Ménard de l'équipe de golf du Boomerang. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième période et entre-temps, je vous fais jouer une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt aujourd'hui avec l'entraîneur-chef des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Maxime Boisclair. Alors, merci Maxime de prendre du temps pour nous avant la partie. Peux-tu nous décrire un peu ta formation de cette année? Ah, c'est une formation, disons que on a des joueurs, beaucoup de joueurs de troisième année, beaucoup de joueurs de première année.
On a, disons qu'on a beaucoup de talent en avant. Je dirais qu'en avant, on a plus de talent. Défensivement, on est plus jeune. Défensivement, ça va. Puis on a un 20 ans en arrière. Mais Zach Thierry qui n'a pas fait le voyage, là, qui est blessé au pied. Mais sinon, on a un 20 ans en arrière, puis un 17 ans, Thomas Fontaine. C'est un beau mélange là, de talent, de gars qui veulent jouer hockey, de vouloir. Puis c'est des gars de passionnés comme que. Quand tu joues en Abitibi, il faut que tu sois passionné. Puis on a beaucoup de passionnés dans cette équipe-là. Dirais-tu que c'est une équipe qui ressemble plus à ton image maintenant, étant donné que ça fait 2 ans et demi, 3 ans que tu es à la barre de cette formation-là? Tu n'étais pas là à l'année 1. Là, maintenant, tu as fini. Tu es à la fin d'un premier cycle, en fait. Oui, ça me ressemble. C'est plus une équipe qui me ressemble. Je te dirais pas que je suis à la fin d'un premier cycle parce que j'ai quand même, je pense, 10 recrues. OK. Tu sais, nous, là, c'est ça la phase. On a souvent des joueurs qui viennent puis que là, ils se rendent compte finalement que l'Abitibi, ils aiment pas tant ça, whatever, parce que c'est des joueurs qui partent. On a deux joueurs. Je te cache pas, j'ai deux joueurs, là. Un, Étienne Bourque, que ça faisait 2 ans qu'il était avec nous, que lui, il m'attendait qu'il soit une pièce maîtresse à 19 ans, que là, il a décidé qu'il lâchait le hockey. Puis Maverick Melançon, qui était un très bon défenseur l'année passée, qui est parti jouer dans l'Ouest, dans Somerset, à l'Épressadoire dans le Gigaro. Fait que, tu sais, c'est des joueurs comme ça qui. On a peut-être un ou deux joueurs par année qui reviennent pas. Tu sais, on regardait ça l'autre fois, justement, là, on a des joueurs que si. Depuis l'an 1, comme tu dis, là, on aurait une équipe beaucoup plus aguerrie, mais oui, c'est sûr que c'est des joueurs qui ressemblent plus à ce que je recherche. C'est moi qui ai fait le recrutement de ces joueurs-là. Il n'y en a plus vraiment des joueurs qui sont dans l'équipe qui ne me ressemblent pas. Puis ceux qui ne me ressemblaient pas, mais dans le fond, ils ont pris un autre chemin. Donc, Puis est-ce que c'est le genre de formation que tu aimes maintenant, étant donné que c'est des gars que tu as ramassés dans différentes ligues? C'est une formation que j'aime bien, là, honnêtement. C'est un beau mélange, comme j'ai dit tantôt, là, d'agilité, de grit. C'est un mélange de hockey sense aussi. Là. C'est tout. Tu sais, on sait maintenant, en 2021, là, tu peux pas juste avoir une sorte de joueur. Là, tu dois avoir des joueurs de. Tu sais, tu es capable de vivre avec plusieurs styles de joueurs. Je ne dirais pas que c'est tous des joueurs que. Moi, j'affectionne en tant qu'ancien joueur, mais c'est des joueurs que je sais qui peuvent m'apporter quelque chose là, dans mon alignement. Puis, ça fait maintenant 3 ans que tu es à la barre des Gaillards. Comment aimes-tu la Ligue collégiale présentement depuis ton arrivée? Ah, mais j'aime ça. Honnêtement, j'aime le fait de travailler avec des joueurs de cet âge-là, des joueurs que l'école est très importante aussi, pour eux. C'est des joueurs que, tu sais, ils veulent continuer à apprendre. Ils ne pensent pas qu'ils sont rendus à la croisée des chemins. Là. C'est fait que dans le fond, j'aime vraiment ça. Puis le fait aussi que nous, en Abitibi, on est souvent sur la route. Fait que c'est fun. C'est comme un petit peu une équipe gigant majeure. On passe à la route, on couche à l'hôtel, on mange dans un restaurant. Là, donc c'est vraiment le fun. Puis l'an passé, tu avais embauché Annie Gay comme assistant coach. Est-ce qu'elle est encore avec l'équipe? Non, malheureusement, Annie, elle a dû prendre une année sabbatique, étant donné que là, elle a un nouvel emploi, puis avec son nouvel emploi, la famille, ça y faisait beaucoup. Était vraiment le peiné de ça, mais on a dû laisser aller Annie Gay. Comment ça s'est passé tout de même avec les joueurs? Est-ce qu'ils l'ont pu côtoyer un peu pendant le temps? Oui, les joueurs l'ont eu le temps. En fond, ça fait juste à peu près 3 semaines là, qu'Annie, elle nous a appris la nouvelle. Donc, les joueurs, oui, étaient peinés aussi. Là, dans le fond, les joueurs, ils s'entendaient très bien qu'Annie, puis ils aimaient ce qu'elle apportait au groupe. Puis, comment est le moral de ton équipe présentement? Tu sais, vous avez battu Saint-Laurent la semaine passée, qui n'avait pas encore connu la défaite. Comment est le moral de ta formation? Ben, je pense qu'on a un bon moral. Écoute, on a 2 victoires, 4 défaites. Mais ça, des petites défaites par un but. Comme je te dis tantôt, on est une défensive jeune. Hein. Fait quand tu es une défensive jeune, tu fais une erreur, tu le payes le gros prix. Donc, on a un bon moral. En plus, les gars sont contents d'une douzaine de joueurs de l'île de Montréal ou des environs. Fait que c'est tout un plaisir pour eux de venir jouer devant leur famille. Puis quel genre de coach que tu veux être pour les Gaillards du Cégep de l'Abitibi? Ben, les joueurs, ils savent. Là, je pense que ceux qui sont là depuis le début, là, ils savent quel genre de coach que je suis. Je suis un intense. Mais je suis un gars qui est capable de donner la tape dans le dos quand les gars sont ils le méritent. Mais c'est, oui, je suis un entraîneur demandant. Côté système de jeu, j'ai pas vraiment de système de jeu. J'ai plus des patterns, je laisse les gars aller créativité, mais tu sais, dans le fond, j'ai des petits thèmes que je veux vraiment qu'on. Que je peux pas laisser aller de ce côté-là, comme
le track back, des choses de même, des short shifts, travailler fort, des petites affaires, mais tu sais, je suis pas vraiment un coach X and O, c'est comme qu'on appelle, là. J'aime mieux laisser la créativité aux joueurs. Et ce soir, tu affrontes deux entraîneurs que tu connais très bien. D'abord, peux-tu nous parler de ton lien d'amitié avec Alexandre Dardenneau, l'entraîneur-chef de l'autre côté? Oui, mais Alex, on se connaît depuis longtemps. On a joué ensemble dans la même équipe. Là, quand j'avais 21 ans, là, on jouait pour le Tide Design Ligue nord-américaine. J'avais été joué là une demi-saison. Puis Alex, on a fait beaucoup aussi d'écoles de hockey ensemble, du hockey, des cas de hockey. Donc, c'est une personne que j'affectionne énormément. Alors, c'est une anecdote avec lui particulièrement qu'on peut raconter? Non, il n'y a pas d'anecdote. Non, mais honnêtement, j'ai tout le temps du plaisir avec Alex. Puis à chaque fois qu'on se voit, là, on se voit un respect mutuel. Puis dans le cas de Francis Lemieux, l'assistant coach de l'autre côté, tu as joué avec lui un peu dans le junior d'ailleurs. Oui, mais Frank, dans le fond, on se connaît depuis le hockey mineur, on a tout le temps joué contre. Ah oui? Après ça, Ninja 3, on a joué contre. Puis quand je suis arrivé, dans le fond, moi j'ai commencé à Sherbrooke à 16 ans, j'ai été changé à 17 ans à Chicoutimi. Frank avait été repêché à 17 ans à Chicoutimi, donc on a joué 3 ans ensemble, moi et Francis, puis c'est un de mes meilleurs amis. On se côtoie régulièrement durant l'été, puis même durant l'hiver, on a travaillé ensemble aussi quand que je travaillais au Collège Charlemagne. Lui aussi travaillait et coachait le Midget Espoir, moi je coachais le Midget 3, donc moi et Francis, là, on a vécu beaucoup de choses ensemble, disons. Donc j'imagine que c'est spécial pour toi ce soir d'affronter ces deux personnes-là. Ben, spécial, écoute, ça va sonner cliché, mais moi je suis en arrière du banc, puis c'est les gars qui font la job sur la glace, écoute... les gars ont fait leur devoir pendant la semaine, puis présentement, ça va être l'examen qui va se dérouler ce soir, mais c'est tout le temps un plaisir d'affronter ces gars-là. Je sais que quand tu affrontes une équipe entraînée par Alex ou entraînée par Francis, bien, ça va être une équipe qui va être bien préparée, puis ça va être une équipe qui va jouer intelligemment. Parfait, merci Max. Merci Tristan. Avant le match et je pense qu'Alexandre, c'était bien intéressant l'entrevue de Maxime. Oui, exactement, comme on a pu comprendre quel genre d'équipe il avait. Il comprend bien son équipe, les pour et les contre de son équipe et est prêt à travailler avec ces joueurs-là. Puis moi, une chose que j'ai retenue de tout ça, c'est qu'il a parlé que c'est des joueurs qui aiment apprendre. Donc quand on aime apprendre et qu'à l'extérieur et à l'intérieur et sur la glace, on est prêt à pousser, c'est qu'on est équilibré. Et il a des joueurs équilibrés. Oui, absolument, bon point. Puis on l'a vu au cours de la première période du côté des Gaillards. On a vu des bonnes séquences à l'attaque. On a vu des bonnes séquences défensivement également. Un gardien qui a fait le travail. Pour moi, c'est l'étoile du match. Pour l'instant, mais oui. Émile Lessard en a fait beaucoup aussi là, de son côté. Il faut quand même saluer le travail du numéro 31 du boomerang. Et en parlant du boomerang, eh bien, au cours du deuxième entracte, eh bien, c'est Alexandre Dardenneau que vous pourrez entendre comme entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est intéressant également, les entraîneurs ce soir se connaissent. Oui. Alexandre et Maxime se connaissent. Francis Lemieux également connaît bien Maxime Boisclair. Maxime me le mentionnait avant le match. Il a affronté Francis Lemieux alors qu'il jouait Bantam et Pee-Wee. Oui. Pour te dire, ça fait combien de temps qu'ils se connaissent, là? Ça fait... Exactement. Ça fait belle lurette, là. Et donc, ça, quand on se connaît de part et d'autre, on peut comparer ça à une partie d'échecs ou une partie de poker. Quand tu connais le joueur ou ton adversaire, c'est... La question est, qui lâchera le premier? Qui sera le premier à donner Exactement. L'opportunité à son adversaire? Et présentement, malheureusement, ben c'est à l'avantage de Maxime Boisclair. Puis c'est quand même très intéressant, les propos qu'on a entendus justement. Puis ça donne aussi un certain respect mutuel entre les deux organisations en dehors de la patinoire. Oui. Et même sur la patinoire, j'aimerais le dire, là, les deux équipes se respectent. Donc voilà. Et dans quelques instants, là, on va voir les joueurs du boomerang qui vont sortir de leur tunnel pour le début de la période médiane. Alors que sur la patinoire, là, pour les Gaillards, on voit Godin notamment qui est là, le numéro 10, Xavier Godin. On voit également Alexandre Legault qui est sur Exactement. La patinoire.
Et j'attends de voir c'est qui l'autre. Voilà, Olivier Poulin qui est sur la glace. Alors qu'on voit les joueurs du Boomerang qui embarquent sur la patinoire pour le début de la deuxième période. Quel sera le plan de match maintenant pour la période médiane du côté du Cégep, André-Laurendeau? Faut continuer à mettre des joueurs devant le filet et défier le gardien de but. Et du côté de la Abitibi-Témiscamingue, moi, je veux voir ce qu'on a fait pendant les 10 premières minutes, jouer physique. Et on voit également là Julien Trottier sur la patinoire pour les Gaillards et le numéro 6, Mathis Beaudoin. Pour le Boomerang, Mirko Sainte-Marie qui est sur la patinoire. On voit aussi Philippe Thomasin, Émile Plante, Alexis Giguère et Loïc Bachand. Alors, au cercle pour le début de cette période médiane, la rondelle tombe et c'est parti. Alors que Beaudoin laisse pour Poulain, finalement ça revient vers Bachand qui revoit le disque vers son coéquipier, mais ça a été intercepté et c'est stoppé par le gardien de but du Boomerang. Et moi, je vais te dire, un jeu que j'ai pas aimé, c'est l'attaquant du Boomerang qui a essayé d'aller plaquer Poulain, qui est deux fois plus grand que lui. Et ça l'a permis à Poulain de récupérer la rondelle et d'amener la rondelle au pied. Je n'ai pas aimé le jeu de Mirko Sainte-Marie non plus avec la rondelle. Là. Ça fait quelques sorties hasardeuses du côté d'André-Laurendeau depuis le début du match. Et ça fait quelques jeux qu'on n'aime pas, toi et moi, Tristan. Exact. C'est récupéré par Bachand qui va renvoyer de l'autre côté. Rondelle qui n'a pas ralenti et donc ça sera refusé. Thomasin qui était en course pour la rondelle contre Mathis Beaudoin. Et mise en jeu qui sera effectuée évidemment dans le territoire lassallois. Tu me demandais la clé, jouer physique pour la Abitibi-Témiscamingue et pour le Boomerang, utiliser sa vitesse. On le voit qu'on est beaucoup plus rapide que nos adversaires. Mise en jeu qui a été gagnée là, par l'Abitibi. C'est Legault qui tentait de rejoindre Godin, ça n'a pas fonctionné. Dégagement du Boomerang à l'autre bout, ça ne sera pas refusé puisque la rondelle a été récupérée par Mathieu qui renvoie vers Legault pour Poulain. Rondelle qui est récupérée là, par Godin à Poulain. Poulain tente de rejoindre Godin. Et finalement, c'est récupéré là, par Bachand qui renvoie le disque vers Giguère en direction de Ferland. Finalement, rondelle qui va dévier dans le territoire de la BTB. Tremblay qui renvoie le disque le long de la clôture. C'est récupéré par Legault pour Tremblay. Finalement, c'est le gardien Fontaine qui va envoyer la rondelle de l'autre côté pour Mathieu. Et c'est Poulain là, qui a la rondelle. Il le renvoie devant lui, intercepté. Poulain qui perd la rondelle. Et Legault qui renvoie le disque en territoire central. Le Boomerang va dégager à l'autre bout pour éviter le hors-jeu. La mise en échec solide en territoire central de Lucier. Bachand maintenant qui a la rondelle. J'aime intercepté bien par Gervais qui a tenté un tir et ça a raté le filet. Oui, Alex. J'aime bien le travail de Lucier depuis le début de la rencontre. Oui, absolument. Alors que Dubé à la rondelle, finalement, ça a été immobilisé, oui, par le gardien de but. Et Lucier, ça n'ira pas plus loin. Il montre qu'il est prêt à passer au prochain niveau. Parce que comme on l'a mentionné, il vient du D2. Donc, oui, on l'a monté d'une catégorie et il montre qu'il est capable de jouer au niveau supérieur. Ça, c'est de bon augure quand on a un joueur comme ça pour le Cégep André-Laurendeau. Exactement. Rondelle qui se retrouve derrière le filet sur la palette de Prévost. Prévost applique les freins, prend son temps au cercle, se replie. La mise en échec par Dubé, mais c'est récupéré là, par les Gaillards. Dubé qui tente un tir, ça a été bloqué. C'est récupéré là, par Gervais qui laisse la rondelle derrière le but. Et c'est récupéré par Trudeau. Trudeau envoie vers son coéquipier et le Boomerang qui va tenter une contre-attaque avec Huot qui va s'amener. Huot tentait de rejoindre Laramé. Il a la rondelle, laisse pour Laramé. Huot maintenant qui récupère en bataille. Finalement, Dubé qui s'est emparé de la rondelle. Dubé va dégager à l'autre bout. Et ça sera récupéré là, par Prévost. Prévost du revers envoie vers Laramé qui va s'amener avec vitesse et bloqué par Tardif. C'est récupéré par Trudeau qui renvoie la rondelle dans le territoire de la BTB. Et ça sera un dégagement là de Gould. Rondelle qui est récupérée derrière le filet par
les Gaillards. Ça revient vers Boudreau à la ligne bleue. La passe à son partenaire. On s'échange le disque là, du côté des Gaillards. Le tir de Boudreau, ça a été stoppé. C'est récupéré par Beaudoin. Beaudoin qui tente une passe. Oh, in extremis, a été capable d'envoyer la rondelle vers Saint-Pierre qui a raté son jeu. C'est récupéré par Laramie qui a dégagé à l'autre bout. Et ça va être récupéré là, par Boudreau. J'ai bien aimé le travail devant le filet de Saint-Amand. Oui. Rondelle qui est derrière le filet, intercepté par Boudreau. Une passe d'abord, le tir qui a été stoppé. Et finalement, c'est récupéré par Beaudoin en territoire central. Boudreau maintenant qui a le disque. Le boomerang là, qui se fait dominer depuis le début de la deuxième période. Alors que c'est une longue passe en direction de Voyer. Ça n'a pas fonctionné. Et les Gaillards qui vont contre-attaquer avec Magny qui va tenter un tir. Ça a été stoppé par Lessard. C'est récupéré par Magny qui va renvoyer devant le banc de l'Abitibi. Et là, c'est récupéré par Vachon qui va s'amener à l'attaque. Vachon 2 contre 1 avec Voyer. Quel plongeon du numéro 14! C'était Saint-Onge qui a coupé cette passe en plongeant. Et finalement, rondelle qui se retrouve sur la palette de Magny qui va dégager en territoire central et qui renvoie vers Barabé qui tentait de rejoindre Godin. Ça n'a pas fonctionné. Et le boomerang qui récupère la rondelle avec Sainte-Marie. Sainte-Marie pour Bachand. Rondelle qui est interceptée par Saint-Onge qui renvoie vers Godin qui posera la rondelle derrière les défenses du boomerang. Sainte-Marie qui se fait plaquer. Bachand qui est là. Sainte-Marie, oui, récupère le 10. Tente une longue passe. Et finalement, ça devient un dégagement récupéré par Saint-Onge qui renvoie vers Legault, intercepté par Vachon. Et finalement, Legault qui a été en mesure de lui soutirer la rondelle et ça sera un dégagement de Saint-Onge qui sera refusé contre les Gaillards. Et c'était une longue présence du côté de l'Abitibi. Et je vais parler du travers de Saint-Amand. Ce que j'ai aimé, c'est que... Même Saint-Onge qui était là aussi. Oui, il a utilisé son physique pour gêner le travail du gardien Lessard devant le filet et a eu plusieurs bonnes occasions de marquer. Malheureusement, on n'a pas été capable de concrétiser pour les Gaillards. Giguère qui renvoie la ligne bleue, c'est Gay maintenant. Gay tente de rejoindre un coéquipier, ça n'a pas fonctionné, c'est devenu un tir raté. Et Legault qui renvoie la rondelle en territoire central, récupéré par Gay qui rejoint Plante. Plante va s'amener avec vitesse contre Legault. Legault remporte la rondelle, contourne le filet, renvoie la ligne bleue, c'est récupéré par Haché qui tente de rejoindre un coéquipier d'avant, ça n'a pas fonctionné. C'est récupéré par Giguère qui renvoie pour Plante. Plante est bien surveillé, il laisse toutefois la rondelle vers Thomasin pour Giguère. Giguère qui a le disque. Giguère à la rondelle. Laisse pour Thomasin. Thomasin tente un tir. Ça rate le filet. Rondelle qui va aboutir au cercle. Et ça sera une sortie de territoire d'Alexandre Legault qui va s'amener à l'attaque. Legault tente de contourner les joueurs de défense. Ça ne fonctionne pas. C'est récupéré par Giguère qui rejoint Ferland. Mais Ferland, en tentant de bien se placer, là, il n'a pas pu réceptionner la rondelle. En effectuant son pivot. Oui, exactement. Rondelle qui se retrouve maintenant le long de la clôture et c'est la sortie de territoire d'Olivier Poulin qui va lober la rondelle en fond de territoire. C'est récupéré par Lessard qui laisse le long de la bande, récupéré par Olivier Mathieu qui voit sa rondelle interceptée par Prévost qui tente de rejoindre un coéquipier. Ça a été intercepté par Poulin, mais heureusement que Ferland était vif. Il a pu lui soutirer la rondelle. Il l'a dégagé à l'autre bout. Et deux attaquants du boomerang là, ont effectué des changements. C'est Thomasin et Giguère. Et finalement, l'arbitre a sifflé. Je n'ai pas vu la nature de cet appel. Moi non plus, Tristan. Malheureusement, j'ai l'impression que ça sera mis en jeu. Simplement, mis en jeu en zone offensive pour le boomerang. Oui, mis en jeu à la gauche du gardien de but Fontaine. Et c'est récupéré là, par... Les Gaillards, bataille qui a été gagnée par Arsenault. Arsenault qui laisse pour Lucier. Lucier qui a la rondelle, contourne le filet, rejoint coéquipier devant la passe pour Arsenault. Ça n'a pas fonctionné, c'est revenu vers Trudeau à la ligne bleue qui laisse le long de la clôture. Finalement, les Gaillards qui vont contre-attaquer là avec la sortie de Poulin qui va dégager. Il rentre au banc et ça va être récupéré par Maltais. Qui n'a pas pu gagner là, la rondelle. Et c'est Trudeau qui va laisser pour Laramé, qui va d'un pivot, mais hors-jeu, là, en entrée de territoire avec Arsenault et Lucier, là. Clairement hors-jeu, et ça fait quelques occasions qu'on voit ce manque de synchronisme-là. Et j'ai l'impression qu'avec ce but en fin de première période, a fait mal.
et on le voit dans cette deuxième période, tu l'as dit, c'est tout gaillard de l'Abitibi-Témiscamingue. Le momentum a changé en fin de première. Oui, alors qu'il reste maintenant 13 minutes à jouer à cette période médiane. Bachand qui tente une longue passe en direction de la ramée, ça a été intercepté par la défense des Gaillards, et c'est Saint-Pierre là qui s'amène à l'attaque. Saint-Pierre voit sa rondelle être récupérée par le boomerang, et c'est Laramie qui s'amène à l'attaque. Laramie tente de rejoindre un coéquipier, ça ne fonctionne pas, ça revient vers la vallée Gravel qui a perdu sa bataille au départ de Baudouin, et c'est la sortie là de Saint-Pierre. Saint-Pierre en bataille avec la vallée Gravel, bataille pour le disque. Finalement, c'est remporté par Baudouin qui renvoie vers son coéquipier Boudreau. Boudreau qui laisse le long de la bande, intercepté par Bachand qui tente de maîtriser la rondelle, de garder la rondelle dans le territoire adverse. Ça n'a pas fonctionné. Godin a dégagé à l'outre-bout. C'est récupéré par Sainte-Marie qui gagne la rondelle. Et il renvoie le disque là, dans les patins de la ramée. C'est récupéré par Boudreau qui met en échec un joueur du boomerang. Dégagement des Gaillards. Et c'est récupéré là, par Bachand. C'était Huot. C'était Huot qui a subi cette mise en échec-là. Alors que c'est Trottier qui tente un tir. Et Huot qui a fait dévier la rondelle à l'extérieur de la surface glacée. Et ça n'ira pas plus loin avec 12 minutes 5 secondes à jouer à la période médiane. Et vraiment, on voit une bonne performance là, jusqu'à présent des Gaillards du cégep de l'Abitibi. Ben, écoute, si en première période, c'était à l'avantage du boomerang pour moi malgré le pointage d'un zéro, la deuxième période est à l'avantage des Gaillards. Et ce but-là a fait excessivement mal parce qu'on est encore dans cette rencontre-là du côté du boomerang. Absolument. Rondelle qui est sur le long de la clôture, finalement, ça a été poussé par Poulain, récupéré par Haché. Haché qui a le disque, laisse du revers en direction de Vachon. Finalement, les Gaillards parviennent à renvoyer la rondelle en fond de territoire. C'était Legault qui l'a envoyé dans le coin. Senneville qui est là. Senneville tente de gagner la rondelle. Laisse pour Raphaël Gay, qui est mise en échec. Finalement, est-ce qu'il y aura une pénalité? Non. Le joueur des Gaillards là, qui a littéralement chuté. Et finalement, c'est le boomerang qui a dégagé à l'autre bout. Intervention du gardien, ça annule le dégagement. Et c'est récupéré là, par Mahani qui renvoie vers Poulain. Poulain qui va s'amener à l'attaque. L'envoie vers Dubé. Dubé tente de rejoindre Poulain. Bien intercepté par Haché qui va renvoyer la rondelle le long de la bande, intercepté par Magny. Magny tente une percée à l'attaque, ça ne fonctionne pas. Il est stoppé par Vachon. Senneville renvoie derrière le filet. Et c'est récupéré par Dubé, qui tente un tir repoussé par le biscuit du gardien. C'est récupéré par les Gaillards. Et c'est Dubé là qui renvoie la rondelle à la ligne bleue. Tardif qui est là. Tardif tente un tir, ça rate le filet. Ça revient vers Tremblay. Tremblay est mis en échec, renvoie la rondelle en fond de territoire. Et finalement, c'est Vachon là, qui donnera un soupir de soulagement à son équipe en dégageant la rondelle à l'autre bout. Exactement, et c'est malheureux pour l'Abitibi, on n'a pas été capable de tirer au filet. Dubé qui a la rondelle maintenant. Dubé tente de tirer le but! Félix-Antoine Dubé qui marque et c'est 2-0! Le boomerang qui tardait à appliquer un changement et Dubé qui a profité d'une belle passe là du numéro 3 Tremblay. Et ben, c'est 2-0. Il avait l'espace pour décocher le tir parfait. Et malheureusement, pour la défensive du boomerang, on lui a donné cet espace-là. Et moi, je trouve ça malheureux parce que on est encore dans cette partie-là et je sens un certain relâchement. Oui, tout à fait. Et là, j'ai hâte de voir quelle sera la réaction du boomerang. Avant le match, là, pas pendant l'entrevue, mais peu importe, là, les joueurs du boomerang me faisaient part du caractère de l'équipe. J'ai hâte de voir si le caractère va sortir. Ben, c'est là qu'il faut le démontrer. Exactement. Alors que c'est les Gaillards qui ont renvoyé la rondelle en territoire central. Finalement, c'est Giguère. Giguère qui laisse pour Thomasin. C'est bloqué par Tremblay. Et c'est récupéré là par Prévost. Prévost qui laisse pour Trudeau. Trudeau à Prévost. Prévost qui va dégager. Est-ce que ça deviendra une passe? Non, récupéré par Tremblay qui renvoie vers Gould. Et c'est récupéré là par Trudeau. Dégagement des Gaillards sur une interception. Et c'est récupéré par Gould. Gould qui laisse à la ligne bleue pour Trottier qui tente un tir. Ça rate le filet de très peu. Et finalement, c'est Gould qui a perdu la rondelle, récupérée par Prévost.
qui laisse devant lui en direction de Plante, qui tentait de rejoindre Giguère. Finalement, rondelle qui sort. Dégagement des Gaillards à l'autre bout. Et Trudeau là qui va récupérer la rondelle pour le boomerang. Trudeau qui va lober pour Plante. Plante qui va s'amener. Plante va contourner le filet. Tente de rejoindre Thomasin. Thomasin qui laisse pour Plante. Plante tente de rejoindre un coéquipier. Finalement, c'est récupéré par Giguère. Giguère en possession de la rondelle. S'amène au cercle. Il va d'une feinte, laisse pour Bachand. Et finalement, rondelle qui va se retrouver dans le coin. La bataille pour le disque a été gagnée par le numéro 11, Trotti, qui a renvoyé vers son coéquipier. Et c'est la sortie de Saint-Pierre. Saint-Pierre tente de rejoindre un coéquipier. Il tentait de rejoindre le numéro 7, là. C'est Gervais qui était là. Finalement, le boomerang a pu dégager en territoire central. Ça devient une passe pour Ferland qui va s'amener seul. Ferland s'amène. Non! Il est rattrapé! Il a jonglé avec la rondelle. Oui. C'est malheureux. Alors que c'est le dégagement à l'autre bout des Gaillards et ça sera refusé contre l'Abitibi-Témiscamingue avec 8-19 à jouer en deuxième période. Et ça, c'est malheureux parce qu'on en a vu on en a vu plusieurs séquences durant cette période-là où on a jonglé avec la rondelle. Ok, ça se tient à deux mains. Oui. Mise en jeu qui sera effectuée là, à la droite du gardien de but Fontaine. Et on parlait de Frédéric Maltais. On le voit presque pas ce soir et c'est quand même 2-0 Gaillard. Alors que c'est Lessard qui va laisser la rondelle dans le coin en direction de Gay. Gay va pousser d'avant, c'est récupéré par Huot qui va s'amener à l'attaque. Huot va s'amener. Et hors-jeu en entrée de territoire, manque de synchronisme avec la Vallée Gravel et Simon Laramé. Et aujourd'hui, là, il y a un joueur qui est absent du côté d'André-Laurendeau, Justin Cousam au niveau de l'attaque. Et je veux dire que ça paraît parce que Cousam est un joueur qui amène de l'énergie, qui a du talent, qui a de la vitesse. Et normalement, il joue avec Mathis Huot et Simon Laramé. Et présentement... ça paraît là, qu'il manque, que le compagnon de trio habituel n'est pas là. Mais et c'est absolument rien contre les autres joueurs d'André-Laurendeau. C'est simplement pour montrer l'importance du numéro 11 du boomerang. Là. Prendre un respire et revenir à ce qu'on faisait de bien parce qu'on a eu une bonne première période. Oui. Revenons à cette première période-là. Elle n'était que positive. Exactement, le boomerang là, qui se doit de... retrouver les jeux simples là, et tenter de menacer les Gaillards par la vitesse. Alors que la rondelle se retrouve sur la palette de Senneville qui tente de rejoindre un coéquipier. Finalement, ça revient vers Gould qui a tenté un tir, ça a été bloqué. C'est récupéré par Senneville qui renvoie à l'autre bout. Et c'est récupéré là par Vachon qui a été bien bloqué par Boudreau. C'est récupéré par Haché qui renvoie derrière lui pour Gay. Gay à Senneville, il va dégager. Et la rondelle qui se retrouve derrière le filet, là, voyez qui tentait de gagner le 10. Finalement, c'est Saint-Pierre qui laisse la rondelle pour Magny. Et là, ça va être une contre-attaque là avec Gould. Gould va s'amener. Elliott Gould laisse à la ligne bleue pour Tremblay qui tente un tir, ça rate le filet. Rondelle qui aboutit là à la ligne de Ringuette, c'est récupéré par Saint-Pierre qui renvoie à la ligne bleue. Un tir et ça a été stoppé par le gardien de but. Et pendant quelques secondes, il y a eu 6 joueurs du côté des Gaillards. J'aurais bien aimé que l'arbitre lève le bras. Mais ce n'était pas le cas. Et moi, j'apprécie durant cette période-là le travail d'Eliott Gould du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Comment il se positionne et se met devant le filet. Il est prêt à payer le prix pour donner la, pour aider son équipe. Rondelle qui se retrouve derrière le filet, là, Sainte-Marie qui laisse pour Giguère. Giguère rejoint Thomasin qui va s'amener seul. Oh là! Rondelle qui était la passe qui était trop vive, pardon. Thomasin qui a tout de même la rondelle l'a perdue en tentant un pivot et c'est récupéré par Gervais, en territoire central. Gervais s'amène à l'attaque. Qui va d'une passe, ça revient vers Tremblay. Bon plongeon du boomerang. Et là, ça sera un 2 contre 1. Plante qui s'amène. Plante la passe en direction de Giguère. Ça a été bien coupé par les joueurs des Gaillards, là, c'était le numéro 11 Trottier qui était là. Finalement, rondelle qui est récupérée par Tremblay. Et les Gaillards là, qui vont sortir avec Dubé qui va s'amener à l'attaque. Récupéré par Lessard, maintenant qui laisse pour son coéquipier Sainte-Marie qui renvoie le disque en direction de Thomasin. Thomasin va s'amener à l'attaque, ça fait soutirer le disque, bien joué par Tardif.
qui s'amène en zone offensive. Finalement, il est bloqué par Bachand et Giguère qui va s'amener en contre-attaque maintenant. Giguère, il va d'une passe à la ligne de raquette, le tir de Thomasin. Et c'était un arrêt routine pour le gardien de but Fontaine. Et ça n'ira pas plus loin alors que c'est 2-0 Gaillard avec 5-54 à jouer à la deuxième période. Quand on parlait de tenir un bâton en deux mains, on l'a vu sur le travail de Trottier, comment il a eu cette facilité-là pour bloquer cette passe-là. Donc c'est malheureux parce que dans cette période-là, la relance de la défensive d'André-Laurendeau est bonne. On n'arrive pas à saisir cette rondelle-là du côté de l'attaque. Oui. C'est Haché qui a la rondelle. Là. Haché qui laisse pour Ferland. Derrière le filet maintenant, c'est Lucier. Lucier qui contourne, laisse pour Gay. Gay renvoie la rondelle derrière le filet pour Ferland qui tente de rejoindre un coéquipier devant. C'est bloqué par Fontaine. Dégagement des Gaillards finalement avec 5 minutes 30 secondes à jouer à la deuxième période. Rondelle qui se retrouve sur la palette de Poulin qui a vu une interception et c'est récupéré par Arsenault qui va s'amener à l'attaque. Arsenault tente une feinte, ça ne fonctionne pas, c'est bien bloqué par les Gaillards qui vont dégager et c'est récupéré par Gay pour son coéquipier Arsenault qui est bien stoppé là, par Trottier. Le bon rang qui récupère la rondelle. C'était le travail de Trottier sur la dernière séquence qui est impeccable. Ferland qui renvoie la rondelle en territoire central. C'est récupéré par Saint-Onge pour son coéquipier. Là, c'est le numéro 24 du côté des Gaillards qui a posé le disque en fond de territoire. Et finalement, c'est récupéré là, par Trudeau. Trudeau qui a le disque. Qui va dégager à l'autre bout. Et les Gaillards là, qui vont tenter une sortie. Dégagement bloqué par Trudeau. Et la boomerang qui maintient la rondelle en territoire adverse avec la vallée Gravel qui a laissé pour la ramer. Finalement, c'est récupéré par les Gaillards. La ramer qui gagne sa bataille et c'est la vallée Gravel qui hérite de cette rondelle. Il est poussé par Saint-Onge. Bataille pour le disque avec la ramer. La vallée Gravel tente de gagner sa bataille. Il laisse le disque pour la ramer. Qui renvoie la ligne bleue vers Prévost, qui tente un tir bas, ça a été stoppé, le retour d'avant, récupéré par Barabé, qui renvoie vers son coéquipier Magny, qui est bien bloqué par Prévost en territoire central, et ça revient là vers Trudeau, qui dégage en territoire neutre, et c'est Huot qui tente de rejoindre son coéquipier, mais ça n'a pas fonctionné, bien bloqué là par le numéro 21, Barabé, et les Gaillards là qui... peine à sortir de leur territoire. C'est récupéré par Huot pour la ramée, derrière le filet qui tente de rejoindre la vallée Gravel. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement, un dégagement en territoire central récupéré par Bachand qui jongle un peu avec le disque. Qui va laisser pour Prévost. Prévost à Bachand. Bachand qui va dégager à l'autre bout. Ça ne sera pas refusé puisque la rondelle s'est dirigée vers le filet. Une chute du joueur des Gaillards. Bataille pour le disque gagné par Huot qui renvoie vers Bachand. Bachand qui laisse le disque pour Huot. Huot qui a le disque. Huot qui prend son temps. Il va d'une passe en direction de Sainte-Marie. Ça a été bien coupé là par Dubé, mais Sainte-Marie qui va récupérer le disque. A laissé pour Bachand qui a plongé. Finalement, c'est récupéré par Dubé qui s'est fait bien poursuivre par Huot. La passe de Senneville pour Voyer, pour Senneville qui s'amène à l'attaque. Le tir de Senneville qui a été stoppé par Fontaine et ça n'ira pas plus loin. Donc, il y a toujours du positif. Puis sur la dernière séquence, on l'a vu du côté du cégep André-Laurendeau. On a eu des chances, on était devant le filet et on a vu le boomerang qu'on a vu en première période sur la dernière séquence offensive. Mise en jeu qui sera jouée à la droite du gardien de but Fontaine. Les enjeux qui est gagné là, par Gould, c'est récupéré par les Gaillards. Interception de Bachand qui tentait de rejoindre la voyer. Finalement, c'est récupéré par Vachon qui s'amène. Vachon tente un tir. Ça rate le filet, oui. Et finalement, rondelle là, qui revient vers les Gaillards. Baudouin qui renvoie vers Gould. Gould qui s'amène, laisse pour son coéquipier à sa droite. Saint-Amand qui est là, renvoie à la ligne bleue pour Baudouin. Baudouin à Saint-Amand qui laisse du revers en direction de Gould. Finalement, c'est récupéré par Poulin qui laisse
qui finalement a dégagé la rondelle à l'extérieur de la surface glacée. Et ça n'ira pas plus loin avec 1:58 à jouer à la deuxième période. Une autre période qui se déroule assez rapidement. Puis ça, à ma grande surprise, ça devrait être le style de période à l'avantage du boomerang des périodes rapides parce qu'on est capable de patiner. Puis c'est tout le contraire qu'on voit là. Fontaine qui a la rondelle. Fontaine laisse pour Olivier Mathieu qui renvoie vers Poulain. Poulain va dégager à la ligne bleue. Si ça devient une passe finalement pour Dubé qui s'amène à l'attaque. Dubé tente de battre le joueur de défense qui ne mord pas. Finalement, c'est récupéré par Godin qui se fait bien surveiller là, par Plante. Et là, il y a un joueur, c'était Dubé là, qui était pris avec Gay et les partisans de la BTB qui réclamaient une pénalité. Finalement, c'est Dubé qui a la rondelle. Il l'a renvoyé vers Poulain pour une contre-attaque. Poulain qui s'amène, il va d'une fin de le tir qui a été stoppé par Lessard. Et ça n'ira pas plus loin. Une belle percée à l'attaque d'Olivier Poulain. Oui, ben il a démontré de belles choses dans cette rencontre-là. Moi, je l'ai vu sur la première séquence du match alors qu'il est allé donner un petit coup d'épaule pour continuer avec la rondelle. Donc, encore une fois, Olivier Poulain qui montre tous les aspects de son jeu. Mise en jeu qui sera jouée à la droite du gardien de but Lessard avec 1:15 à jouer au deuxième engagement. Trudeau qui a dégagé la rondelle à l'autre bout et là, Ferland qui tentait de gagner la rondelle, ça n'a pas fonctionné. Les Gaillards qui ont le 10 dans le coin, c'est le dégagement qui est stoppé par Trudeau. Non, ça n'a pas fonctionné, c'est récupéré par Prévost alors qu'on vient d'annoncer la dernière minute de jeu de cette période médiane. Et finalement, il y aura une pénalité qui sera chassée. Est-ce un joueur de la BTB ou du Boomerang? Ça semble être Gould qui sera chassé. Pour non, est-ce que c'est Gould? Il rouspète avec l'arbitre. Donc ça semble être lui. Oui. C'est dommage parce qu'il joue une bonne première période. Une bonne deuxième. Une bonne deuxième période, oui. Et là, il y a avantage numérique pour le Boomerang qui a d'ailleurs demandé un temps d'arrêt. Et on est capable de marquer en avantage numérique un pourcentage d'efficacité de 17%, Tristan. On doit en profiter, là. Oui, absolument. Si on peut marquer, là, on vient de changer de l'allure de cette partie-là. Oui, alors que Alexandre Dandenault là, donne des consignes à ses joueurs. On a sorti le tableau avec les X et les O. On retourne à l'école? Oui. Ou on reste à l'école, oui, dans ce cas-ci? Ce sont tous des étudiants athlètes, les hockeyeurs que nous voyons sur la patinoire. Et ils ont toute mon admiration, vraiment, de jumeler l'école à, oui, temps plein. Et les règlements du réseau sport étudiant font en sorte que ces joueurs-là sont obligés de réussir la majorité de leurs cours par session. Donc, quand même que tu sois le meilleur pointeur de ton équipe, si tu ne réussis pas tes cours en décembre, eh bien, oublie ça, tu ne reviens pas pour la session hivernale. Ça demande beaucoup d'organisation, là, tout ça. Huot qui laisse pour Giguère. À la ligne bleue maintenant pour Plante à Giguère. Giguère qui s'amène au cercle. Giguère tente de rejoindre le coéquipier devant les buts! Mathis Huot qui marque en avantage numérique! Et c'est 2-1! Donc, Tristan, ce jeu-là a été dessiné à perfection. Le défenseur qui a bien vu le jeu a passé, effectuer la passe à son équipier. Penses-tu que c'est ça qu'Alexandre a dessiné sur le tableau? Parce qu'honnêtement, oui, c'était dessiné. Oui, oui, ben on l'a vu ici clairement. Digne des meilleurs jeux, on parlait de football. Ça, c'est le même style de jeu. Des jeux de football bien dessinés, des jeux de hockey bien dessinés. On l'a vu sur la dernière séquence. Comment le jeu, les deux joueurs en avant du filet étaient libres et ont pu se promener devant ce filet-là à leur guise. Je suis impressionné. Absolument. Puis je me rappelais la saison avant la pandémie. Souvent, je devais vanter le travail du boomerang. Attention, le tir! Je reviens sur mon point dans quelques instants. Ça revient vers Sainte-Marie pour Bachand qui tente un tir bas. Ça a été stoppé. Et finalement, la rondelle qui se retrouve sur la palette d'un joueur des Gaillards. La sortie de Godin qui s'amène la passe à Poulain qui tente un tir et ça a été stoppé par le gardien. Je reviens sur mon point, oui, il y a quelques secondes.
avant la pandémie, bon, j'étais toujours à la description des matchs. Et souvent, ce que je pouvais remarquer pendant la saison, le moment où est-ce qu'Alexandre Dandonneau demande ses temps d'arrêt, ce sont toujours des moments précis. Et très souvent, lorsqu'il demandait le temps d'arrêt, eh bien, le vent tournait en faveur de son équipe. Ben, j'ai bien hâte de voir quel sera le résultat en troisième période. Moi, je l'ai senti sur la dernière séquence que ce momentum-là avait peut-être changé de côté. Oui, alors que la seconde période vient de prendre fin, les juges de ligne qui séparent les joueurs des deux équipes. Alors, il y a eu deux buts. Oui, deux buts. Au cours de cette deuxième période du côté des Gaillards, eh bien, c'est Félix-Antoine Dubé qui a marqué le deuxième but de son équipe. Et finalement, en toute fin de première période, c'est Mathis Huot qui a marqué un super but en avantage numérique sur un jeu tic-tac-toe, bien complété avec Giguère et Thomasin notamment. Donc, après 40 minutes de jeu, eh bien, c'est 2-1. Les Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui mènent dans ce match. Et dans quelques secondes, eh bien, je vais vous présenter un entretien que j'ai réalisé un peu plus tôt aujourd'hui avec l'entraîneur-chef du Boomerang, Alexandre Dandonneau. Donc, laissez-moi ajuster notre console de son et vous partir cette entrevue dans quelques instants. D'abord, Alex, comment trouves-tu ta formation depuis le début de la saison avec ce que tu as vu jusqu'à présent? Bien, c'est sûr qu'on a des gars qui sont plus vieux. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est des gars qui, malgré le fait que l'année passée, ils n'ont pas joué au hockey, c'est des gars qui étaient là l'année d'avant, puis qui avaient déjà une super belle courbe de progression. On avait fini quatrième, puis on était, je pense, la neuvième équipe la plus vieille de la Ligue, tu sais, ou dixième, une affaire comme ça. Fait que ça, on était super contents. C'est sûr qu'on a perdu des gros morceaux. On avait 4-19 ans en défense l'année passée. Si on avait une saison, je pense qu'on aurait eu vraiment une excellente saison. Par contre, le côté positif, c'est que ces gars-là qui étaient rentrés comme première année en 19-20, ben là, sont encore là aujourd'hui. Émile Plante, d'ailleurs, qui est encore là, qui est un de nos 20 ans, qui fait partie des gars qu'on peut se fier dessus, qu'on est super contents qu'ils soient encore là. Fait que c'est intéressant de voir comment ils réagissent depuis le début de l'année. Mais j'ai bien hâte de voir comment que ça va aller, là, plus on va avancer, parce qu'on a, j'espère honnêtement, on n'a pas rentré dans aucun gros détail là, au niveau des systèmes de jeu. Fait que, on travaille un peu ces principes présentement, quelques systèmes, fait que je suis vraiment curieux de voir plus tard. Puis comment tu trouves un peu l'énergie de ton équipe? Tu sais, t'as quand même un peu de jeunes qui sont là, puis avec le D2 aussi qui est là. Après trois jours, ça va, je trouve que c'est vraiment le fun. Pour de vrai, le fait d'avoir un D1 puis un D2, c'est une dynamique vraiment intéressante. Il y a beaucoup de bons joueurs dans le D2. D'ailleurs, on en fait jouer régulièrement là, dans le D1, puis on reste assez surpris de ce qu'ils sont capables d'apporter là, sur la glace. Fait que ce côté-là, il est vraiment le fun. Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au lieu d'être à 14 attaquants, 8 défenseurs, on est à 13 puis à 7 dans le D1, pour donner cette opportunité-là, justement, à ces joueurs-là de trouver sa glace pour qu'ils sont capables de jouer dans le calibre des 1. Ben honnêtement, tu sais, je pourrais pas dire qu'il y en a qui ont embarqué sa glace qui sont pas capables. Jusqu'à présent, ils sont tous capables. Fait que ça, c'est super excitant. Fait qu'on a hâte de voir ce que ça va donner dans le futur, mais pour l'instant, ça va bien. Là. C'est le fun de voir ça. Puis tu as deux gardiens de but qui sont très solides, Émile Lessard et Antoine Dubois-Vandal, qui sont tous les deux dans le top 5 de la Ligue au niveau du taux d'efficacité d'arrêt. Mm-hmm. Avec la présence d'un entraîneur des gardiens qui est là quasiment au quotidien pour eux, crois-tu que ça fait une différence au niveau des résultats? Ben, je pense que, tu sais, on est passé d'une excellente situation à une excellente situation. Karel, il fait là, un travail incroyable. Il est tellement, comme tu viens de dire, présent que je pense que les gars, ils se sentent vraiment soutenus là, dans leur développement. Puis ça, c'est sûr que ça a un impact. Même au niveau du scouting et tout, il est là, il est très présent. Fait que on est vraiment, vraiment content de sa présence. Puis il est vraiment engagé, puis il est sharp. Puis super le fun. Fait que les gars l'aiment beaucoup. Puis je veux dire, c'est sûr qu'on aurait aimé ça garder Éric Raymond, mais à un moment donné, c'est pas évident là, ces réalités-là. Sauf que ça reste que c'est ça. C'était une excellente situation où est-ce qu'on avait vraiment un excellent coach et gardien.
à une autre excellente situation. Un excellent congé gardien, mais en plus, c'est beaucoup plus là. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça l'aide. Mais Emile, on le savait depuis la première journée, là, il rentrait chez nous. Écoute, il a perdu tellement de poids sa première année dans les pratiques. Les gars, il arrêtait pas de m'en parler. Fait que tu sais, c'était comme... C'était évident là, qu'il allait gauler pour nous autres et qu'il allait être performant dans cette ligue-là. Puis Antoine, c'est la même affaire. Là. L'année passée, dans les pratiques, tout le monde était comme, « Voyons, Colin, puis tu sais, on s'attendait pas à ça, mais il mérite la place là, présentement, puis il est en train de démontrer qu'il mérite d'être là. » Fait que, dans tous les cas, les gars, ils ont démontré qu'ils se sont super bien développés puis qu'ils ont pris ça sérieusement pour être capables d'être performants dans les 1. Puis jusqu'à date, je pense qu'en tant qu'équipe, on n'a pas été super sharp défensivement. Ça a donné beaucoup de lancers. On ferme la porte régulièrement. Fait que, les statistiques sont là. Puis ailleurs dans la Ligue, c'est quand même assez serré au niveau du classement général. Tu es là depuis 10 ans dans la Ligue et même plus. Comment trouves-tu la progression de la Ligue collégiale? Ben, je trouve que je regardais ça ce matin, je trouve que c'est pas mal les mêmes équipes là, qui se démarquent. Par contre, je regarde la manière que les matchs se sont déroulés. Je regarde la Abitibi, c'est pas du tout les mêmes débuts de saison là, que dans le passé, même s'ils n'en ont pas eu une tonne. C'est tous des matchs serrés. Ils ont battu Saint-Laurent. Je pense qu'il y a peut-être des gars qui performent un petit peu moins là, dans la ligue, mais en règle générale, ça a tout le temps été une ligue tough à jouer dedans. Là. Surtout depuis les 4-5 dernières années. Là, dans les débuts, c'était peut-être différent un peu. Il y avait vraiment plus une différence entre les meilleures et les moins bonnes. Mais je veux dire, aujourd'hui, n'importe qui peut battre n'importe qui. Il y a tellement des excellents coachs dans cette ligue-là. Les performances sont là, on le voit. T'sais. C'est rare là, les scores comme Saint-Laurent a eu. Là, c'est souvent des matchs d'un ou deux buts. Fait que, ça démontre comment les gars, quand ils viennent jouer dans les collégiales, prennent ça au sérieux puis que les coachs sont là pour les soutenir. Là. Puis tu parles d'entraîneur. Peux-tu nous parler de Maxime Boisclair de l'autre côté que tu connais quand même assez bien? Qu'est-ce que je peux te dire de Maxime? Je sais pas. Comment tu l'as connu, en fait? Ouais. C'est un gars qui adore le hockey. Ça, c'est clair. Puis je pense que quand on regarde son équipe en début de saison puis en fin de saison, c'est jamais pas toute la même affaire. Là. Puis là, ça paraît, là, tu sais, je pense que là, ça fait un petit bout là, qui est en place. Il commence à mieux comprendre la ligue et toute l'équipe. Puis c'est pas pour rien qu'on va Saint-Laurent. Tu sais, il y avait peut-être moins de chances de marquer, mais les hung in there, ils ont battu. Ça a été vraiment une game, là, je l'ai écouté, là, puis ça a été une game quand même chaudement discutée. Fait que je te dirais, Max, c'est évident qu'il aime la game. C'est évident qu'il donne ça à ses joueurs un peu, cette passion-là, là, on la ressent. Moi, je l'ai connu, ça fait longtemps, je ne me rappelle même pas où je l'ai rencontré, mais je me rappelle qu'à chaque fois que je l'ai vu, c'était toujours une énergie de « je suis tellement content qu'on se voit parce qu'on se voit dans un contexte de hockey, que lui, il est juste content d'être là-dedans, puis ça paraît là, tu sais. » J'ai parlé cet été, je voulais l'engager pour les écoles de hockey, puis on s'est parlé pendant je ne sais pas combien de temps, puis il aime juste ça être sur la glace, c'est ça, c'est là où il se sent mieux, fait que, ça apparaît dans les performances de son équipe. Parfait, merci.
Mais je vais le mentionner un moment donné quand je nomme Mathieu, là, oh, justement. Alors, nous sommes de retour pour la deuxième période de ce... la troisième, plutôt, la de troisième, ce match. Oui. La deuxième a passé tellement vite qu'on ne l'a pas vu passer. En fait, c'est un match qui se déroule à un tempo très, très rapide. Oui, absolument. Puis, j'ai bien hâte de voir quelle sera la réplique du boomerang. On se souviendra que le cégep André-Laurendeau a marqué lorsqu'il restait une trentaine de secondes au cadran. Mais, en fait, moi, je vais et t'amener... c'était la même chose pour les Gaillards en première période. Exactement, Tristan. Exactement. C'est là que j'arrivais. On a marqué rapidement du côté de l'Abitibi-Témiscamingue en fin de première. Là, on a marqué du côté du boomerang en fin de deuxième. Est-ce que le momentum va changer de place? Et c'est parti pour cette troisième période réglementaire. Rondelle qui se retrouve le long de la bande. C'est récupéré par Plante. Malheureusement intercepté par les Gaillards qui voient leur jeu être coupé par Plante à la ligne bleue. C'est un dégagement à l'autre bout. Et ça va être récupéré là, par Tremblay qui renvoie vers Dubé. Dubé tente de rejoindre un coéquipier. Finalement, il a... envoyer la rondelle en direction de Maltais. Boomerang qui intercepte la rondelle. Ça revient vers Plante. Plante qui renvoie devant finalement Baudouin et Caldis, qui on appelle un hors-jeu. Oui, on l'a senti dans ces 30 premières secondes-là. Qui avait beaucoup plus la possession de la rondelle, le Boomerang. On a senti le Boomerang beaucoup plus agressif en début de période. Moi, je veux les voir faire ça sur 20 minutes. Oui. Les enjeux qui a été remporté par Laramé. Trop vivement, la rondelle va se retrouver dans le territoire là, d'André-Laurendeau. Et ça va être récupéré là, par Huot. Huot qui s'amène, pousse devant. Finalement, ça revient vers Arsenault. Non, Arsenault va récupérer le 10 derrière. Le filaire tente de rejoindre Laramé. Ça n'a pas fonctionné. Les joueurs de défense là, des Gaillards ont pu couper. Encore une fois, c'est Laramie. Dégagement à l'autre bout. Si Laramie avait pu mettre le bâton sur cette rondelle-là, c'était 2-2, Tristan. Ouais, absolument. Donc, c'est un bon début de période pour le cégep André-Laurendeau. Des bonnes attaques, des jeux qui sont coupés en territoire central. Et ce que j'aimerais voir de la troupe d'Alexandre Dandonneau, ce qu'on n'a pas vu en deuxième, mais ce qu'on a vu en première, c'est de la vitesse. Ben, l'important, c'est qu'on a le momentum présentement. Exactement. Guy qui a la rondelle tente un tir, ça a été stoppé par Poulain. Ça revient vers Ferland qui tente de rejoindre Lucien. Finalement, ça revient vers Guy qui pousse devant. Et la rondelle qui se retrouve derrière le filet. Une passe en direction de Guy maintenant. Guy tente de rejoindre un coéquipier. Ça a été bloqué par Olivier Mathieu. Ça revient vers Tremblay. Tremblay qui... laisse pour son coéquipier. Ça va être la sortie de territoire des Gaillards qui a été coupée par... Lucien et le boomerang là, qui dégage à l'autre bout. Ça va être récupéré par Tremblay. Tremblay pour Mathieu. Mathieu pour son coéquipier. Là, ça va être en direction de Gould. Ça a été coupé par Prévost qui laisse derrière lui pour Lucien. Et le boomerang qui va tenter une sortie là, avec Prévost. Prévost pour Lucien passe dans les patins, mais Lucien réussira à récupérer le disque, renvoie vers Haché qui renvoie le disque vers Prévost. C'est intercepté par les Gaillards qui s'amènent à l'attaque. Et là, il y aura une pénalité contre le cégep André-Laurendeau. Oui, c'est clairement récupéré par Tardif pour son coéquipier Saint-Amand qui tente un tir. Ça a été stoppé. Rondel qui retourne dans le coin. Et j'ai l'impression que c'est Julien Prévost qui va être puni. Tardif qui a le disque, là, l'envoie vers son coéquipier Trottier. Les Gaillards qui ont la rondelle là, avec Saint-Pierre. Saint-Pierre tente un tir bas. Ça a été stoppé par Lessard. Et finalement, l'arbitre a pu siffler l'arrêt du jeu. Et donc, avantage numérique contre le cégep André-Laurendeau. Donc, quelle mauvaise punition. Oui, quelle mauvaise punition, Tristan. On avait le momentum. Et ça vient couper l'élan du boomerang. Et à contrepartie, il a quand même stoppé une attaque de son adversaire. Mais on a un gardien. Avec ce coup de bâton-là. On a un gardien qui réussit à le faire pendant cette rencontre-là. Ça, c'est sûr et certain, mais je voulais mentionner que c'était une bonne pénalité défensive dans les circonstances. Il y a des pour et des contre. Exactement, exactement. Rondelle qui se retrouve dans le coin, c'est récupéré par Sainte-Marie qui laisse le long de la bande, ça revient vers Tremblay. Tremblay tente un tir frappé, ça rate le filet, ça revient vers Gervais à la ligne bleue. Gervais qui laisse devant lui.
Finalement, c'est récupéré par Dubé. Dubé pour son coéquipier Tremblay à Gervais. Gervais, passe transversale pour le numéro 16. Là, c'est Maltais qui a laissé la rondelle derrière le filet. Finalement, une passe qui est trop vive. Et ça devient un dégagement pour le Boomerang qui apportera des changements à son effectif. Et donc, il y a Ferland qui est sur la patinoire. Lucier. Et en défensive, c'est Trudeau et Raphaël Gay. Gay, justement, qui a poussé la rondelle le long de la clôture. Finalement, ça a été récupéré par Dubé. Récupéré par Maltais. À Tremblay. On s'échange bien la rondelle là du côté des Gaillards. Un tir qui a été stoppé par la muraille défensive du Boomerang. C'est récupéré par Lucier qui va laisser la rondelle en territoire central. Et ça sera récupéré par Tremblay alors que les... En fait, c'est beau plongeon de Trudeau qui semble avoir mal à la cheville. On le voit tituber un peu. Faudra surveiller ça. Il reste une quarantaine de secondes à écouler à la pénalité de Prévost. Prévost qui appartenait d'ailleurs à l'organisation des Griffons de l'Outaouais dans la Ligue collégiale. Les Griffons c'est leur première année dans la Ligue. Alors que Poulin s'amène la passe d'avant vers Legault qui a vu son tir être bloqué par l'essor. Ça revient à la ligne bleue. Et tu vois, il fallait faire confiance. Trottier qui tente un tir, c'est bloqué. Le retour d'avant vers Poulin, c'est stoppé par l'essor. Rondelle qui revient dans le coin. Il fallait faire confiance à son gardien de but. C'est récupéré par Trottier qui tente un tir de loin. Ça a été stoppé par l'essor encore une fois. Rondelle qui se retrouve dans le coin. Finalement, est-ce que le Boomerang parviendra à dégager? Oui, c'est la sortie de territoire de Plante qui va s'amener à l'attaque. Va dégager à l'autre bout. Ouh! Le Boomerang peut... lancer un soupir de mais de soulagement. Ces punitions-là, c'est un couteau à deux tranchants. Je vous expliquerai pourquoi. Saint-Pierre qui a la rondelle. Saint-Pierre qui tente de rejoindre un coéquipier. Voilà, c'est fait. Une passe qui a été récupérée par Haché. Interception de Saint-Pierre pour Godin. Godin tente un tir de loin et ça a été stoppé. C'est récupéré par Boudreau qui a laissé la rondelle à l'autre bout. Et finalement, c'est Plante qui a récupéré le disque pour son coéquipier Gay qui va dégager en territoire central. Rondelle qui va aboutir à l'autre bout. Course pour la rondelle gagnée par Boudreau. Boudreau qui a le disque. Il va d'une longue passe. Ça devient un dégagement à l'autre bout. Et ça sera refusé contre les Gaillards. Et explique-nous ce que tu voulais nous dire il y a quelques secondes. Parce que oui, cette punition-là a coupé le momentum de l'équipe. Mais lorsqu'on réussit à ne rien donner... ça peut redonner le momentum à notre équipe. Donc, le fait que l'Abitibi-Témiscamingue, les Gaillards n'ont rien fait, on peut se servir de ça pour continuer à construire notre momentum et notre morale. Exactement, bien dit. Alors que c'est le dégagement là, des Gaillards, finalement, c'est récupéré. Un tir qui a été stoppé. Ça provenait du numéro 10, Godin. Et c'est le dégagement de Prévost qui a été stoppé par les Gaillards et les Gaillards qui devaient se replier à leur ligne bleue, à la ligne en territoire revirement. Pour éviter un hors-jeu. Finalement, revirement, tu l'as mentionné, Alex. Rondelle qui se retrouve dans le coin. Bataille pour le disque. Arsenault qui est là, il a gagné la rondelle. Arsenault qui renvoie vers Laramie. Laramie pose la rondelle derrière les défenses adverses. Ça revient vers Huot pour Arsenault qui a vu son tir être bloqué. C'est récupéré là. Par Huot qui tente de gagner la rondelle. Finalement, les Gaillards qui parviennent à dégager en territoire central. Rondelle qui est récupérée par Arsenault qui tente de rejoindre Huot dans l'enclave. Ça n'a pas fonctionné et c'est récupéré par Laramie. Laramie qui a le 10 maintenant. Laramie prend son temps, tente un tir. Ça a été stoppé par Goud, la passe devant en direction de Arsenault qui rate le filet de peu. Et c'est, écoute, quelle séquence, quel jeu. Je t'ai vu sauter puis ça voulait tout dire, oui. On était au bout de notre siège, même si on n'est pas assis, là. Ça veut tout dire, ça, également. Bataille pour la rondelle dans le coin, là. Huot qui est là. Arsenault également. Finalement, Huot qui gagne la rondelle. Non, c'est les Gaillards qui parviennent à récupérer le 10. Dégagement qui a été stoppé par Barchamp pour Sainte-Marie, qui renvoie vers Huot. Passe dans les patins. C'est récupéré par Tardif, qui voit son jeu être bloqué par Sainte-Marie, qui s'amène à l'attaque. Sainte-Marie tente de battre le joueur adverse. Ça n'a pas fonctionné. C'est un dégagement, là, de Trottier. Ça va être récupéré par Barchamp qui laisse du revers en direction de Ferland. Ferland pour son coéquipier Sainte-Marie, ça n'a pas fonctionné. C'est récupéré là par Trottier pour Tremblay. Une passe en territoire adverse et là, c'est l'attaque. Un tir et quel arrêt!
Abitibi-Témisc le sort! Hey. Il vient de voler un but à Félix-Antoine Dubé! Incroyable! Alors que le numéro 7, Gervais, avait exécuté une superbe passe pour Félix Dubé, et vous venez d'avoir l'arrêt de l'année pour Émile Lessard. Tu dis voler? Appelez George Clooney et je veux voir Émile Lessard dans le prochain Ocean. Oh, tabarouette! Quel arrêt d'Émile Lessard, mesdames et messieurs! C'est récupéré par Tremblay qui laisse la rondelle en fond de territoire. Ça va être pour Poulin. On en perd notre voix de ce match-là. Oui. Les Gaillards qui s'amènent à dire le but! Le but marqué par les Gaillards! Et c'est le numéro 24, Saint-Amand, qui marque. Et c'est 3-1. Et c'est malheureux parce qu'Émile Lessard connaissait toute une période. Il gardait l'équipe dans la rencontre. Il était le héros de ce premier 8 minutes pour le boomerang. Et quel tir du revers de Saint-Amand qui a complètement battu Émile Lessard. Qui a complètement étourdi la défensive du boomerang. Puis c'est arrivé sur deux buts où la défensive a été poreuse. Mise en jeu gagnée par Giguère. C'est récupéré par Prévost pour Trudeau. Trudeau qui renvoie pour son coéquipier Plante. C'est intercepté par l'Abitibi, là, Saint-Amand qui va dégager. C'est récupéré par Prévost qui pousse en territoire central. Récupération de Tremblay qui est bousculé. Finalement, c'est récupéré par Giguère qui laisse en territoire central. Et là, on tente une longue passe en direction de Plante, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est récupéré là par Gervais. Un tir de Maltais, c'est stoppé cette fois-ci par Émile Lessard. Je reviens sur un point que l'entraîneur Alexandre Dandonneau t'a dit, les problèmes de la défensive. Est-ce qu'on les a vus ce soir? Ça l'a coûté deux buts. Oui. Deux buts parce que le gardien est excellent. L'offensive est dynamique et diversifiée. La défensive, poreuse. Exactement. Puis comme ce qu'Alexandre m'a mentionné avant le match et ce qu'on a diffusé d'ailleurs pendant l'entracte, ils n'ont pas beaucoup travaillé sur le système de jeu encore. On travaille beaucoup sur des aspects individuels au niveau des joueurs. Donc, c'est sûr que, bon, pour l'instant, ça peut faire effet, mais on verra après le mois de décembre, Alexandre. Va falloir travailler sur la défensive, assurément. Alors que Huot à la rondelle, perd le 10, c'est récupéré par Dubé. La passe d'avant vers Maltais qui a raté la cible. Et c'est récupéré par Huot qui renvoie le disque à la ligne bleue. Et c'est récupéré là par Dubé. Dubé rejoint un coéquipier, et c'est Bachand là, qui lui a soutiré le disque. Il l'a renvoyé derrière vers Sainte-Marie pour Bachand. Bachand va lober la rondelle en direction d'Arsenault. Ça ne fonctionne pas. Récupération de Beaudoin. Beaudoin qui laisse pour Maltais. Maltais pour Godin en direction de Barabé. Ça ne fonctionne pas. Et le boomerang là, qui récupère la rondelle, c'est Ferland qui a le disque. Ferland pousse à une main. Interception de Barabé qui renvoie derrière. Barabé qui reçoit l'appareil. Barabé qui renvoie devant. Finalement, c'est coupé par Lucien. Et c'est Gay là qui va dégager, récupéré par Boudreau. Et c'est Magny là qui va s'amener à l'attaque. Magny laisse derrière lui pour Barabé, une passe imprécise. Et les Gaillards toutefois qui parviennent à dégager de l'autre côté, c'est Mathieu qui a dégagé du revers. Et c'est récupéré par Ferland. Ferland qui renvoie pour Lavallée-Gravel. Lavallée-Gravel en direction de Lucien qui pousse vers Lavallée-Gravel. Bataille pour la rondelle. Mathieu qui remporte la rondelle l'envoie vers Magny qui va dégager et c'est récupéré par Ferland pour le numéro 24 du boomerang, la Prévost à Lucien. Lucien qui a le disque, prend son temps et Jeu qui rate là et finalement Trudeau qui va récupérer la rondelle, tente de rejoindre un coéquipier, ça ne fonctionne pas, c'est le dégagement de Poulin. Et ça sera récupéré par Prévost qui laisse dans le coin. Finalement, c'est Tardif qui renvoie à la ligne. Un tir de loin du numéro 11, le Trottier, mais ça n'a pas fonctionné. Récupération de Poulin. Poulin qui a le disque. Poulin qui est un vétéran de troisième année du côté des Gaillards et qui a d'ailleurs joué en compagnie de Michael Senville au niveau juvénile. Et donc, finalement, c'est un hors-jeu.
c'est deux joueurs qui se connaissent, puis on l'a mentionné, les coachs se connaissent, mais oui, les joueurs se connaissent également. Oui, tout à fait. Il y a certains joueurs qui, bon, soit se sont affrontés dans le passé ou qui ont joué ensemble. Mais moi, j'ai toujours dit que d'avoir des amis l'autre bord, d'avoir du monde qu'on connaît, c'est une motivation de plus. Oui, absolument. Alors que Giguère est au cercle contre Godin. Et c'est le point que je faisais. Pouvoir jouer au hockey et avoir des amis de l'autre bord, je m'en serais servi de motivation. Non, ça, c'est sûr. C'est récupéré par Tardif qui renvoie vers son coéquipier Trottier pour Saint-Amand qui va dégager de l'autre côté. Saint-Amand qui s'amène. Saint-Amand, la passe devant le tir. C'est l'arrêt, le retour. Et un autre arrêt. Démile le sort. Oui, écoute. Incroyable! Si le boomerang est encore dans cette rencontre-là, un nom, Émile Lessard. Même Alexandre Dardenneau n'en revient pas. Vous ne voyez pas sa réaction au bas, là, mais il est en train de dire, ben voyons donc! Et dire que ce gars-là, l'an passé, jouait au niveau inférieur. Oui, ben c'était le troisième gardien de but de l'équipe, là. Donc. Mais comme l'a mentionné Alexandre en entrevue, là, Émile Lessard, c'était un projet. Ben le futur est bon pour le boomerang. Alors que c'est une interception de Giguère qui s'amène à l'attaque. Giguère tente de rejoindre un coéquipier, c'est intercepté par Mathieu. Mathieu qui laisse le long de la bande. Finalement, ça revient vers Thomasin. Thomasin qui chute, renvoie toutefois vers son coéquipier. Bachand qui tente un tir. Ça a été stoppé. La rondelle qui a été projetée à l'extérieur de la surface glacée. Je reviens sur mon point au sujet d'Émile Lessard. Alexandre Dardenneau me mentionnait qu'à sa première année, bon, Lessard était troisième gardien de but, mais il jouait au niveau civil, au niveau junior 2A. Et que là, bon, ça a été un peu plus difficile, mais il a tout de même travaillé très fort. Il a perdu du poids, il a travaillé sur lui, et là, il récolte le fruit de ses efforts, puisqu'il est maintenant sur l'équipe de première division, là, avec un poste, un poste permanent avec l'équipe de première division. Une chose qu'il avait mentionné également dans l'entrevue, c'est qu'à la surprise de plusieurs, on s'attendait pas à voir le Sabre et Dubourg-Vandal, mais c'est les deux gardiens qui le méritaient le plus. Oui. Et on le voit ce soir, malgré une possible défaite, le Sabre est le meilleur joueur de son équipe. Ah oui, absolument. Mise en jeu qui a été gagnée là, par les Gaillards, mais le boomerang a intercepté la rondelle, Laramie qui renvoie derrière lui. Finalement, c'est récupéré là, par les Gaillards qui vont dégager la rondelle. C'est retrouvé directement au banc des Gaillards, et ça n'ira pas plus loin avec 8 minutes 5 secondes à jouer à la troisième période. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on semble voir un boomerang, une équipe du boomerang qui veut reprendre, mais à d'autres occasions qui lâche prise. C'est irrégulier, là. Exactement. Alors que c'est le dégagement d'Arsenault de l'autre côté. Ça va être récupéré par Beaudoin. Beaudoin laisse pour Poulin. Poulin laisse la rondelle le long de la bande. Finalement, c'est poussé à l'extérieur de la patinoire par le numéro 24 du boomerang, Julien Prévost. Et ça n'ira pas plus loin. Je vous rappelle, le prochain match du boomerang aura lieu demain en fin de journée, oui, sur le coup de 16h au Colisée Cardin, le mythique Colisée Cardin, alors que le boomerang affrontera ses grands rivaux, les rebelles du cégep de Sorel-Tracy. C'est sûr que vous ne voudrez pas manquer ce duel-là. Donc, peu importe le résultat du match de ce soir, il va falloir rapidement passer à autre chose. C'est récupéré là, par Ferland. Et finalement, ce fut un tir du numéro 14 du boomerang, Antoine Lucier. Et ça n'ira pas plus loin. Et quel match il dit. Là, il y a un joueur qui était pris là avec le gardien. C'était le numéro 5, là, Lavallée-Gravel. Quel match Lucier dispute. Et moi, j'ai aimé qu'il ait donné le deuxième, le troisième effort pour se rendre à la rondelle. Oui, on n'a pas eu là, de... Là, il y a un temps d'arrêt qui a été demandé. Je ne sais pas c'est par qui, toutefois. Les Gaillards qui ont demandé un temps d'arrêt. Comme j'allais dire, oui, c'était pas un tir menaçant, mais il a donné l'effort pour se rendre.
et ça leur aurait pu donner une bonne chance de marquer. Oui. Donc, faut apprécier l'effort de Lucier sur la dernière séquence. Antoine Lucier qui connaît un bon match et je déteste pas non plus le match de Félix Ferland aujourd'hui. Il met quand même de l'effort au niveau de son coup de patin en tentant de gagner certaines batailles, même si ce n'est pas toujours facile, là. Ben, moi, les deux joueurs que j'adore à l'offensive pour le boomerang, Laramé et Lucier. Oui. C'est vrai que les deux connaissent un bon match. Je vous rappelle que demain, ici, là, au centre Gadebois, eh bien, ce sera le match de Division 2. Alors que la troupe de Bruno Gladue recevra les Faucons du Cégep de Lévis. Alors que c'est Trudeau qui a la rondelle. Il laisse la rondelle en territoire central. Lucier qui pousse devant. Finalement, les Gaillards qui ont la rondelle. Bataille devant le pan de pénalité. La Vallée Gravel tente de gagner le disque. Ça ne fonctionne pas. Les Gaillards récupèrent le disque. C'est intercepté toutefois par Sainte-Marie qui renvoie la rondelle derrière lui pour Prévost qui va dégager dans le couloir libre. Et ça sera refusé puisque les joueurs du boomerang n'ont pas traversé la ligne rouge. Et ça n'ira pas plus loin avec 6:58 à jouer à la troisième période. Donc, mise en jeu en zone du boomerang. Selon moi, la partie peut se jouer sur le prochain 2 minutes. Là. Puis oui, ça peut paraître évident. Mais ça, c'est une mise en jeu très importante. Puis il faut apprécier, oui, la défensive, défensivement, est ordinaire. Mais offensivement... Le tir de Mathieu, pardon, qui rate le filet, continue, Alexandre. Mais offensivement, on avait une relance rapide pour la défensive du boomerang. Et là, il y aura une pénalité. Non, c'est passe avec la main qui a été appelée par oui. L'arbitre. Et donc, le jeu va reprendre dans le territoire d'André-Laurendeau. Donc, la clé, Tristan, c'est une relance rapide de la part des défenseurs. Avec 6:47 à jouer à la troisième période. Mise en jeu qui a été gagnée par les Gaillards. Tremblay qui tente un tir bas, ça a été stoppé. Le retour d'avant qui a été repoussé là, par la jambière du gardien. C'est récupéré là, derrière le filet par Saint-Amand. Finalement, les Gaillards parviennent à gagner la rondelle. Un tir de loin du numéro 8 tardif. Ça a été bloqué. Un retour d'avant. Et c'est arrêté cette fois-ci par Lessard. Rondelle qui se retrouve derrière le filet. Saint-Pierre maintenant qui a le disque. Saint-Pierre avec la rondelle. Prend son temps. Laisse derrière lui pour son coéquipier tardif. Qui va renvoyer la rondelle en fond de territoire en direction de Godin. Et c'est récupéré là, par Bachand pour Sainte-Marie. Sainte-Marie effectue la sortie de territoire. Il va dégager derrière lui. Et c'est récupéré par Tardif. Qui lui aussi va dégager à l'autre bout. Cette fois-ci, il y aura des changements pour l'entraîneur-chef Maxime Boisclair. Alors que la rondelle se retrouve en territoire central, c'est récupéré par les Gaillards, mais intercepté par Voyer. Voyer qui s'amène. Voyer prend son temps, laisse pour Gay. Gay qui s'amène, le tir de Gay qui a été stoppé. Rondelle qui se retrouve derrière le filet. Récupération 10 de Vachon qui renvoie la ligne bleue. Un tir d'Haché qui rate le filet. Ça revient vers Voyer. Finalement, le boomerang gagne, garde la rondelle toujours dans le territoire adverse. Un tir de cette ville qui a été bloqué devant par le joueur, par Boudreau. Dégagement des Gaillards qui a été, du boomerang, pardon, qui a été récupéré par les Gaillards. Et là, c'est une échappée. Une passe devant le tir. Oh! Et est-ce que Lessard a bloqué cette rondelle? C'est le jeu du défenseur Gay, je crois, sur la séquence. Quelle séquence! Oui, ben quel... Boomerang qui tarde à changer. Est-ce qu'il y aura une pénalité? Non! Et le boomerang qui dégage en territoire central, c'est récupéré par les Gaillards qui renvoient à l'autre bout. Et c'est récupéré par Prévost. Prévost prend son temps. Garde la rondelle derrière lui pour Trudeau. Cette fois-ci, Thomasin reçoit la rondelle. Et les Gaillards là, qui poussent en territoire central pour dégager à l'autre bout. Finalement, rondelle qui a été sortie. Et ça n'ira pas plus loin. Revenons à cette dernière séquence. On parlait de la défensive du boomerang qui était ordinaire. Oui, on a commis un revirement offensif, à mon avis. Mais le défenseur qui est revenu rapidement dans le jeu et qui a aidé grandement son gardien de but, faut apprécier le travail. Sainte-Marie qui a la rondelle, l'envoie devant lui pour Huot. Finalement, c'est bloqué. J'ai dit que c'était Huot, mais c'est Thomasin.
Sainte-Marie qui renvoie pour Bachand. Passe dangereuse. Thomasin qui tente de rejoindre Giguère finalement. Ça revient vers Sainte-Marie qui tente de rejoindre cette fois-ci Plante. Et c'est récupéré là, par les Gaillards qui vont dégager. Et c'est récupéré par Sainte-Marie pour Bachand. Bachand laisse la rondelle en territoire central. Finalement, c'est récupéré par Mathieu Durobert. Godin qui a le disque. Godin va dégager. C'est récupéré par Sainte-Marie. Sainte-Marie pour son coéquipier Bachand. Bachand prend son temps. Laisse pour Sainte-Marie à la ligne de Ringuette. Sainte-Marie va longer. La clôture s'est interceptée par Mathieu qui perd la rondelle au départ de Thomasin qui va laisser la rondelle en territoire central. Saint-Amand maintenant qui est en bataille pour la rondelle là, avec Thomasin. Finalement, Poulain qui gagne la rondelle s'est intercepté cette fois-ci par Gay. Gay va s'amener à l'attaque et bien surveillé là, par Maltais, par Baudouin, pardon. Et finalement, le boomerang qui a su dégager. Et les Gaillards là, qui vont d'une longue passe, ça devient un dégagement. Ça ne sera pas refusé. Alors qu'il reste maintenant 3 minutes à disputer à cette troisième période. Passe pour Huot qui s'amène. Huot tente de rejoindre un coéquipier devant Laramie. La fête! Et c'est stoppé par le gardien. Laramie qui a toujours la rondelle toutefois. Laramie prend son temps. Contourne le filet. À la rondelle. Envoie la ligne de Ringuette pour son coéquipier Prévost pour Laramie. À Prévost, qui tente de rejoindre un coéquipier d'avance, c'est coupé par Saint-Amand, récupéré par Laramie toutefois, Laramie qui s'amène au cercle, Laramie tente un tir, ça a été dévié sur un patin, récupéré, et finalement, Arsenault qui reçoit la rondelle, il y aura pénalité pour les Gaillards, pour avoir accroché, Huot qui a la rondelle, tente de rejoindre un coéquipier d'avance, finalement, les Gaillards seront punis. Et quel travail de Julien Arsenault. Il lui a donné le deuxième, troisième effort. C'est ce qui a causé cette punition-là. Puis c'est malheureux. Le boomerang retourne en avantage numérique. Mais c'est malheureux. C'est le genre d'effort qu'on a mentionné tout au long de la rencontre. Puis qu'on commence à voir en fin de rencontre. Est-ce qu'il est trop peu, trop tard? Mais tu l'as dit. Avantage numérique. Giguère qui est au cercle avec Thomasin. Plante, Laramie, Huot. Donc le boomerang utilise 5 attaquants en avantage numérique pour sa première unité. On va, en anglais on dirait on va drive il net. Ouais. C'est ce qu'on risque de voir. Plante qui renvoie pour Laramie. Laramie lobe la rondelle en fond de territoire. Finalement ça revient vers Fontaine qui envoie la rondelle vers son défenseur qui va dégager à l'autre bout. Et c'est récupéré par Plante. Faudra surveiller le gardien de but, le sort, là, quand est-ce qu'il sera sorti. Alors, il s'avance. C'est Giguère pour Laramie qui s'amène à l'attaque. Laramie une fois, tente un tir, c'est bloqué. Et est-ce que le boomerang retire son gardien? Pas tout de suite, oui, il est retiré. Giguère qui a la rondelle maintenant, envoie la ligne bleue pour Plante. Plante qui s'amène pour Giguère. Tente un tir, ça a été dévié par le bâton de Godin. Rondelle qui se retrouve à l'extérieur de la surface glacée. Et la mise en jeu sera jouée à la droite du gardien de but des Gaillards. Avec 1:34 à la troisième période, 1 minute 8 secondes à jouer à l'avantage numérique du boomerang. Et cette partie-là, même s'il reste qu'une minute 34... Et le temps d'arrêt demandé justement là, par oui. Alexandre Dardenneau. Au niveau collégial, les entraîneurs ont droit à 2 temps d'arrêt. Donc là, c'est le deuxième d'Alexandre qui vient de sortir justement le crayon et le X et les O. Et on verra si cela fera effet comme en deuxième période. Et tu m'as volé ce que j'allais dire. Rappelons-nous ce qui s'est passé en deuxième période. Un jeu parfaitement dessiné. Il n'est pas trop tard. Là. Donc, Tristan, c'est ce que Alexandre Arsenault, Alexandre Dandeneau devra faire. Dessiner un jeu. Et espérer qu'on va pouvoir, du côté du boomerang, mettre la rondelle au filet. À la suite de ce temps d'arrêt pris par le boomerang, c'est Plante qui sera à la mise en jeu, accompagné de Giguère, entre autres. Donc, Plante gagne la rondelle, Tristan. Oui, et c'est ça. Sainte-Marie, là, qui a le disque. Sainte-Marie renvoie devant lui vers Giguère. Giguère, une passe à Thomasin. Qui tente un tir, c'est bloqué. C'est récupéré toutefois par Giguère. Giguère qui a la rondelle maintenant. La passe transversale en direction de Plante. Plante qui est à la ligne bleue.
prend son temps, l'envoie vers son coéquipier, là, Laramie, qui tente un tir de loin. Ça a été stoppé par le gardien. Et ça n'ira pas plus loin avec une 11 à jouer à la troisième période. 45 secondes à l'avantage numérique du Boomerang. C'est bien beau vouloir le jeu parfait, là, mais à une minute 11 secondes à faire, ça faut presse. Mettre sa presse, exactement. Mise en jeu gagnée là, par le Boomerang. Plante qui tente un tir, ça a été stoppé. Et dégagement qui est stoppé cette fois-ci par Plante pour Laramie à Plante. Plante l'envoie vers Giguère. On annonce la dernière minute de jeu de cette troisième période. Giguère qui a la rondelle maintenant. Giguère prend son temps. Tente un tir de loin. C'est dévié à l'extérieur. Récupéré par Sainte-Marie. C'était bien pensé. Sainte-Marie qui est bousculée dans le coin. L'envoie vers Huot en direction de Giguère. Ça revient vers Plante. Plante qui prend son temps. Plante. Avec la rondelle, tente de rejoindre un coéquipier devant, la passe devant, le tir qui a été stoppé. Au beau jeu du défenseur. Oui, par Thomasin, pour Giguère. La passe en direction de Laramie, c'est stoppé. Quel engagement défensif des Gaillards en fin de match. C'est récupéré par Sainte-Marie, pour Giguère. Giguère maintenant, qui tente un tir de loin, c'est stoppé. Récupéré par Baudouin, il reste une vingtaine de secondes à jouer à ce match. Quelle présence de Baudouin. La passe de l'autre côté, c'est raté. Récupéré par Laramie en territoire central. Et ça revient vers Plante. Une part. Plante, oui, qui s'amène à l'attaque. Plante tente de contourner le joueur de défense. Mathieu, ça ne fonctionne pas. Plante qui a le 10. Et c'est ce qui mettra un terme à ce match. Les Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue remportent un premier match contre le cégep André-Laurendeau en 3 ans. Et donc, c'est ce qui mettra un terme au match d'aujourd'hui. Alors, victoire des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, il y aura la sélection des 3 étoiles du match. Les Gaillards qui sont bien contents de cette victoire. Antoine Lucier qui a reçu la 3e étoile du match. Il le mérite. C'est... Émile Lessard qui a reçu la 2e étoile du match. Il le mérite également. Et Félix-Antoine Dubé qui a marqué le 2e but des Gaillards a reçu la 3e étoile du match. Donc, victoire des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Un match, une victoire méritée pour les oui. Gaillards qui l'ont travaillé cette victoire. La meilleure équipe l'a emporté et ce qui est surprenant, du côté du Boomerang, c'est qu'on n'a pas donné d'espace au numéro 16, Maltais, qui est le meilleur pointeur de l'équipe. Oui. Mais c'est d'autres joueurs qui ont Exactement. Pris la place et qui ont levé leur jeu d'un cran. Exactement. Et ce fut une rencontre forte, intéressante à suivre aujourd'hui. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous invite à notre prochain rendez-vous de web diffusion du hockey collégial lundi à l'Auditorium de Verdun, alors que ce sera le match des étoiles de hockey féminin. Donc, ce sera les meilleures étoiles du RSEQ qui affronteront justement l'équipe provinciale des moins de 18 ans. Donc, ce match qui sera joué à compter de 13 heures en direct de l'Auditorium de Verdun. Je serai à la description du match. Et puis, pour le prochain match du Boomerang, là, ici à domicile à Gadebois, ça ira dans 2 semaines, étant donné que le Boomerang joue à Sorel demain et que la fin de semaine prochaine, ça sera justement en Abitibi. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à Alexandre Dubois à l'analyse du match d'aujourd'hui. Ben, merci Tristan. Merci tout le monde, on vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.